le Discord directement. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de créer ensuite des équipes compétitives à partir de la rentrée, de créer des synergies entre les joueurs et évidemment d'avoir, en plus de ça, de profiter du vivier un peu de talent de Pichot et de faire en sorte que les joueurs pendant ces sessions-là soient accompagnés par des coachs, parce que le but également c'est de progresser. Et donc, comment faire pour participer au Summer Camp? Mais c'est facile, il vous suffit de rejoindre le Discord Pichot, de vous inscrire, et ensuite bah, vous aurez juste au niveau du process, c'est très simple, il suffit juste de donner ses disponibilités dans un fichier, et après bah, vous êtes répartis derrière dans des équipes par les coachs notamment sur différentes sessions d'entraînement. Et ce soir du coup c'est la première session et je suis en très très bonne compagnie. Ce soir je suis accompagné par Atmarel et Hiro. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, bon après-midi. Bonjour. Après-midi. Qui se présente en premier? Ça dépend, comme vous voulez. Est-ce que c'est celui qui bouge ou celui qui ne bouge pas? Honneur à celui qui bouge. Allez, je commence. Alors du coup, moi c'est Atmarel, on m'a déjà vu sur Pichot eSport, je ne suis pas à mon coup d'essai. Mais je suis très content de cast ce début d'event. Alors je ne serai pas là pour la suite malheureusement. Je pars en vacances, voilà, summer camp, chacun son summer camp, hein. Moi je vais partir me reposer. Mais il n'y aura que du tryhard et que du beau spectacle. J'ai envie de dire que le début, j'espère, sera explosif et que ça restera comme ça sur toute la durée. Mais en tout cas, on essaiera de faire de ce premier affrontement entre équipe A et équipe B un spectacle agréable à regarder, tant pour vous, les spectateurs, que pour les joueurs, hein, qui vont regarder leur VOD et probablement regarder à quel point on les a critiqués méchamment, car nous sommes des casteurs aigris aujourd'hui. Et du coup, bah, je vais m'introduire. Moi, je suis Hiro Haru pour les intimes. Et je suis pas non plus à mon coup d'essai, hein. Je suis un habitué de chez Pichot. Et bon, on va cast ces games qui s'annoncent. T'en as déjà comme un classique de l'e-sport, un peu ma phrase fétiche. Et bien sûr, nous allons critiquer un maximum, parce que nous sommes moins bons, forcément. Et vu qu'on est moins bons, on peut plus critiquer. C'est une très très belle analyse. En tout cas, très 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 heureux de faire cette ouverture du Summer Camp. On s'attend forcément à du beau jeu. Là, les gens sont là pour tryhard. Donc, attention, prenez des notes. Ne clignez pas des yeux, ça va aller très très vite. Du coup, La petite messieurs. musique, les alertes de follow, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est les alertes de follow. D'accord. Est-ce qu'on Pour ferait. un court instant, j'ai eu un bug cerveau, je me suis dit, on est reparti en pause, c'est en train de me dire, oh là. Non, non, pas du tout. Alors là, pour l'instant, on est en attente d'un joueur, qui a des petits problèmes techniques, un peu du même acabit que Hiro qui ne peut pas afficher sa cam, malheureusement. Sinon, son PC plante, ou en tout cas Discord plante. Oui. Mais on est accompagné par son beau visage en plan fixe, c'est ça. On peut dire. De belles photos. Vous pouvez utiliser cette photo pour vos mariages et vos bar mitzvahs. Photo de publicité, propagande. Est-ce qu'on va pas analyser, enfin présenter les deux équipes maintenant qu'on y est? On peut faire Allez-y. ça. Eh ben, allons-y. Alors, on a en premier temps, alors on s'est dit, tiens, plutôt que d'être impartial, d'être des casteurs neutres, on va plutôt être des casteurs chacun son équipe. On aura l'équipe A et l'équipe B. Alors, toi, tu es équipe B, Hiro, c'est ça, si je ne m'abuse? C'est exactement ça. Et moi, je suis équipe A. Alors, je vais commencer, je me permets de commencer par présenter mon équipe A, mes petits chouchous. En top lane, nous avons Ate Fukuro, ou alors Fukuro. Je ne sais pas, évidemment, je n'ai aucun accent, car comme ça se voit à mon visage, je ne suis pas asiatique, je suis malien, c'est faux. Mais en tout cas, en jungle, on a gros pec, on a besoin d'un peu de muscle, un peu de testostérone, voilà. Quand ça commence à se calmer, un mec qui met des petits avants, des petits crochets du droit, des petits uppercuts. Ensuite, on a Levi d'avant en mid lane, on a des carry, on a Svelte, voilà, gros pec, Svelte, j'ai envie de te dire, les mecs sortent de la salle, hein. C'est-à-dire que voilà, ils jouent à League of Legends et dès qu'ils ont terminé, ça met des squats, ça soulève de la fonte, ça, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Moi, par contre, je m'inquiète un peu plus sur leur setup parce que là, je peux dire un coup sur la table, ça devient une table massica, c'est-à-dire que tu la retrouves en kit un peu partout. Et en support, on a YNK
Raninglief ou alors YNK. Raninglief, je vais peut-être l'appeler Ranin parce que bon, ça va, les pseudos, on dirait l'alphabet russe. Ouais, c'est moi, j'ai des difficultés. On est caster, mais un petit peu de dyslexie à droite à gauche, un peu de difficulté. Donc ce sera Ranin. Je me permets d'écorcher son pseudo, j'espère que tu m'en voudras pas. Et je te laisse présenter ton équipe B. Moi, je suis là, je suis un ultra de l'équipe B. Pourquoi ? Parce qu'en top lane, on a PS Blobfish. Et il joue quoi ? Il joue des trucs agressifs. Volibear, Yorick, il joue des Tahmkench, on adore ça. En jungle, on a quoi ? On a Doomzy. Il joue des trucs qui vont vite. Et Karim Uzir, on ne va pas le voir arriver, c'est une fusée le mec. Tu vas pas le voir, la game est déjà finie. En mid lane, on a Coco Terrico. C'est qui ? Si tu le connais pas, je te le présente. C'est le meilleur mid laner Europe, en fait. Et là, il joue des Syndra des Akali. Source, il est juste trop fort. Source, t'inquiète, c'est mon cousin qui l'a dit. Source, Evian. Après, on a PGU Zodiarc. On va dire Zodiarc. Nice. Qui joue des trucs genre Kaisa, Sivir, Tristana, des trucs là, il est là pour se battre le monsieur, il est pas là pour faire copain. Et en support, on a Sun, Carole, il joue des bards, des Alistar, des gros trucs, avec plein de muscles, sauf bard, on sait pas trop ce que c'est. Et après il joue des Senna et des Karma aussi, il est partout. Voilà. Il bifurque, c'est-à-dire qu'il a un pied de niveau, il y a tout moment, hop, voilà. Il change. C'est ça. Moi, j'ai envie de dire, parce que tu as parlé de certains pics, tu as déjà un petit peu spoil les pics, alors moi aussi, je vais un petit peu supporter derrière mon équipe, j'ai les tendards. Alors, notre ami Fkuro, que je vais appeler comme ça avec un accent très appuyé, il joue un petit peu, tu vois, il joue les pics un petit peu méta, tu vois, du Mundo et du Gwen, mais en même temps, il a des pics de One Trick Pony, de mecs qui sont là depuis la saison 3, il y a du Jax, il y a du Riven, des mecs, voilà, quand tu les croises dans la rue, après leur avoir serré la main, bon, tu te mets un peu de gel désinfectant, hein, t'as pas attendu le Covid, évidemment. Mais respect évidemment à tous nos joueurs de Riven. On a Gros Peck, lui pareil, un joueur un peu méta, ça que j'aime bien, tu vois. Ce serait que tes joueurs, voilà, ils sont un petit peu, voilà, les muscles, tout ça, la bagarre, mais la bagarre, c'est un petit peu dépassé, si je peux me permettre. Moi, j'ai des joueurs méta, des joueurs d'actualité qui regardent BFM TV, évidemment, c'est faux. Gros Peck, il joue là, du Graves, du Viego. Graves qui est extrêmement fort dans la méta, et puis Viego, n'en parlons pas, le personnage est de toute manière illégal, hein, c'est la convention de Genève ne l'a pas validé. Lévi d'avant, on est sur. Tu vois que j'ai un peu essayé de regarder qu'est-ce qu'il jouait. Et c'était un peu flou. Il y avait du Akshan, là, le nouveau personnage. Il a tenté un ADC, il a tenté un mid lane. Mais sinon, il y a beaucoup de Xerath, de Zilean, de Lux dans son historique. Mais si on regarde un petit peu aussi les persos qu'il a joué récemment, on a vu un peu de Fizz, un peu d'Ahri, un peu de Malzahar. C'est-à-dire Assassin, Mage Control. Moi aussi, j'ai mon joueur qui bifurque, qui peut aller un peu de partout. Svelte, j'ai vu du Vayne, j'ai vu de la Ashe. Il faut savoir que Svelte, c'est un joueur qui, de base, il me semble, est top laner, mais qui s'est entraîné à aller en bot lane, qui s'est chauffé, il s'est dit, bon, moi, pour le summer camp de Pichotte, je vais aller sortir un peu de ma zone de confort, je sors de mon canapé, voilà, pas de poltron et sofa. On y va, on va à la bagarre. Et Ranin, du coup, qui est sur du bar, du trash, mais il y a aussi du blitzcrank. Et pareil, comme tu l'as dit, du Vel'Koz, du Lulu, de la Senna. C'est ça que j'aime bien aussi dans la méta, c'est qu'on peut voir des compositions très, très différentes. Et Dieu merci, il n'y a aucun des supports qui joue Morgana. Donc voilà, même si Fnatic nous fait subir toutes les semaines ce personnage absolument abominable, je suis très content que les joueurs de Pichotte ne sont pas délusionnels. Et ça, ça fait plaisir. Ne parle pas trop vite, hein, à tout le monde, un pic Morgana, hop, tu t'y attends pas. Hein. Eh bien, je me jette par la fenêtre. Ça combo bien avec des Carry ou Jorkitlin, même avec Vegain, tu peux faire des trucs et ça te protège de Thresh et de Leona qui sont des picks. En ce moment, ce sont des picks, t'as envie de les avoir dans ton équipe, tu vois. Ah, moi, Leona, j'aime bien, Leona, ça me fait plaisir, un petit peu de stun. Alors, on n'oublie pas, évidemment, les phases de draft qui vont être très, très importantes. Et quand on parle de phases de draft, une équipe a un coach et une autre équipe n'a pas de coach. C'est vrai que voilà, il y avait pas assez de coach disponible malheureusement à ce timing-là, mais bon, il y avait quand même il y a quand même une équipe qui a un coach. Du coup, peut-être que ça va se ressentir sur la draft, ou peut-être que on aura un shot caller qui va être pris dans l'équipe A pour prendre le lead dans cette draft. En tout cas, je suis Modo. Ah oui, bah voilà, Tic Rose qui essaie de lancer, voilà, qui peut lancer une prédiction.
Au cas où je suis modo, je peux peut-être essayer. Ah, slash D'accord. prédiction. Comme tu as dit, il y a sûrement un joueur qui va prendre le lead. Et de toute façon, je pense que dans, même dans l'équipe où il n'y a pas de coach, la draft, c'est un point sur lequel ils ont forcément un peu discuté, où ils se sont mis d'accord sur quel pick on va enlever, quel pick on va vouloir favoriser. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. C'est des joueurs qui savent quand même ce qu'ils font. C'est sûr qu'avoir un coach après, ça permet d'avoir plusieurs un point de vue encore plus large. Mais je pense qu'il y a l'équipe sans coach devrait s'en sortir assez facilement. Enfin, facilement, façon de parler, sans trop de problèmes. Alors, tu m'avais dit que tu avais déjà été cast par, enfin, tu as déjà été coaché par Doomzy, qui est un joueur donc de la team G, un joueur que tu affectionnes peut-être particulièrement du coup. Je lui avais posé des questions pour la jungle quand je jouais jungle. Il m'a un peu aidé à jouer Elise, si je me souviens bien. Et en vrai, il est bon. Il est pas mauvais forcément, mais ça m'a bien aidé quoi. Donc il sait ce qu'il fait dans sa jungle. Puis je pense que dans la jungle, il va pas y avoir trop de problèmes pour lui. Peut-être plus de problèmes pour Svelte, hein, qui va. Ah non, c'est pas Svelte, le jungle de l'autre équipe. C'est vrai que. Ah, alors que je crois qu'on va passer en draft. Ouh, oh oui, ça commence. Ah. La régie des problèmes. Normalement, ça devrait être bon. Donc, c'est la team. C'est ta team, c'est la team à toi, c'est la team B qui commence à ban avec Blobfish. Qu'est-ce qu'on a envie de deny dans les persos de la méta? Moi, je pense à des Viego, je pense à des Gwen, tout ce genre de petits personnages. T'as quelques autres idées en tête, toi? Il y a beaucoup de match control aussi. Syndra, Orianna, même Leblanc, c'est très fort en ce moment. Donc, t'as pas forcément envie de les voir, mais on va plutôt se baser sur des bans de Fizz. Parce que quand tu as dit ton midlaner, enfin le midlaner de l'équipe que tu soutiens joue beaucoup Fizz, c'est un pick qui dans la méta actuellement peut être assez problématique. Et alors, parce que du coup la régie est en train de traficoter, on voit absolument rien à la draft, mais j'ai vu des Volibear, Irelia, Fizz, je crois. Est-ce qu'on peut avoir le retour à l'inverse? C'est nickel. Alors du côté de la team B, on a eu un ban, voilà, tu l'as dit, les assassins, donc Fizz, notamment Ezreal, Xin Zhao, très très fort dans la jungle. Et du côté de la team A, on a du Volibear, du Irelia, du Tahmkent, donc surtout la top lane qui a été impactée. Tahmkent, tu es vraiment très très fort dans la méta avec son fameux rework. D'un côté, s'il vous plaît, la régie, terrible. les problèmes. Chemin, hein. Mais okay, du coup, le premier pick, ouais, le premier pick Diana, qui peut être flex, jungle ou mid, qui est un bon kit de dive très rapidement. Hein, tu peux faire plein de choses. En jungle, ça farm extrêmement vite. En mid lane, tu prends la prio assez vite. Et niveau 6, tu peux all-in ton adversaire et à le tuer. Et ce Viego, en réponse potentiellement à cette Diana, ou un Viego top, mais ça se fait plus trop en ce moment, mais ça reste quand même un pic assez safe. Ouais, c'est surtout le jeu. Alors, du coup, on a Varus qui est pic en ADC. Bon, pourquoi pas? J'avoue, un choix un peu étonnant, on n'en voit pas beaucoup des Varus. Après, peut-être que ça peut être un pic de confort. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de Varus, mais j'avoue. Varus, c'est un pic de confort si tu sais extrêmement bien jouer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que t'aies joué le champion, je pense, facilement 100-200 games dessus pour être serein dessus à 100%, parce que le pic est vraiment dur. Et tu peux facilement te faire counter pick en sorte par des AD carry agressifs comme Tristana. Kaisa qui vont chercher à te trade assez tôt dans la partie, histoire de te mettre au fond. C'est vrai que Varus a une phase de siege assez forte, ça fait beaucoup de wave clear, beaucoup de dépush, beaucoup de poke aussi. Mais c'est vrai que voilà, quand on est au level 3 et que Varus, il n'a pas son ulti, quand la Sana lui fonce dessus avec son Z, elle lui met le A full chargé avec le A reset en plus derrière du W du saut, c'est compliqué. Cette Tristana qui sera du coup pile par un Galio qu'on peut voir un peu partout. Diana, pareil, jungle mid potentiellement. Le Galio, il peut être mid, il peut être support, ça peut être un peu partout. En tout cas, la bot lane de ton équipe est confirmée. Ce sera Varus Thresh, un combo qui marche très bien, on va pas se mentir. Ouais, voilà, hein, comme on l'avait un peu prédit, le Thresh, forcément, soit il était pick, soit il était ban d'un des deux côtés. Et là, il va être pick pour ce Varus. Donc Varus qui va pouvoir se repositionner ou se positionner plus facilement dans les fights, si ce Thresh est opti, si ce Thresh est pixel, ce Varus sera intégrable. Eh bien, en tout cas, pour ce qui est de la team B, on a eu un ban donc de 7, on a envie de ban des top laners. Je pense que, à mon avis,
La team B va avoir envie de last pick la top side hein, pour avoir le match-up. On a vu un set de ban. Il y a d'autres choses qui peuvent être ban en top lane. On a dit Gwen qui est encore disponible. Ouais. On a du Mundo qui est un pick que j'apprécie pas vraiment beaucoup. Hein. Personnellement, je trouve que c'est un pick qui est vraiment inutile, mais qui est plutôt apprécié. Bon, on sera du coup un ban de A à Trox. Et le dernier ban pour la team A. Est-ce qu'on va essayer de deny peut-être un. Déjà, en tout cas, en mid lane, je pense qu'on aura assez certainement soit Diana, soit Galio, à moins que ce soit Galio support et du coup Diana jungle et du coup le pick soit encore ouvert. Mais ça, prendre des flex pick en champ select, c'est quand même un atout non négligeable. Et même cette Tristana peut aller mid dans un monde, cette Tristana peut aller mid en réponse au mid qui sera pick du côté de l'équipe B. Donc l'équipe A qui joue avec l'esprit de ses adversaires. Ils sont forts. Et du coup, on aura ban Akali, hein, évidemment très 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 forte dans la méta. C'est l'un des picks préférés hein, de Coco Telico qu'on a vu du moins dans ce cadre de l'OPGG. Gnar, tu en avais parlé, donc il va être pick du coup pour la top lane. Du coup, le last pick, ce sera la mid lane. On a envie de s'assurer et d'être sûr de qui on affrontera. Et du coup, Zac en jungle de la part de Gropek, sûrement. Du coup, c'est Dena qui serait confirmé en mid lane et ce Galio confirmé en tant que support. Et du coup, c'est Camille, du coup, Camille top lane, je dirais assez facilement. Bon, Camille contre Gnar, on va pas se mentir. L'early peut être un peu difficile, mais en général, moi, je donne l'avantage clairement à Camille. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu aussi un duel de skill. On a Gnar qui peut l'outplay assez facilement, on va pas se mentir, avec voilà, les ultis dans l'ulti de Camille, etc. Donc, ça va être un match-up qui risque d'être très intéressant. Moi, je le donne plutôt even, on va pas se mentir, Camille, c'est quand même beaucoup plus méta que Gnar. Maintenant, l'apport en teamfight d'un Gnar, ça peut être quand même vachement fort. Et du coup, ce sera donc un Galio mid et une Diana jungle. Et du coup, c'est un Blitzcrank support dans le trash. Ça va être la compétition au grappin, hein, mon cher Hiro, là. Exactement, on va peut-être avoir même une invade. Juste, je vais reparler du match-up top assez vite. Hein. Mais moi, je serais plus d'avis de donner le match-up à la Camille, parce que la Camille va profiter du profondeur divin plus du Sterak. Et c'est vraiment un combo d'items qui marche extrêmement bien, qui fait mal très vite dans la partie. Alors que Lunar va plus partir sur un Estropieur, Tonkiness, tout ça. Mais. Et Gnar peut très vite perdre l'ascendant sur sa lane, hein, donc faire assez attention. Et du coup, un Sylas mid pour Groterico. Alors, j'avoue, Sylas dans Galio, personnellement, je suis pas convaincu. J'avoue que ça me paraît un peu ambitieux. Maintenant, il peut tout à fait hein, bien se débrouiller. En tout cas, dans les deux équipes, on a un teamfight très, très, très puissant, on va pas se mentir. Un ulti de Blitzcrank volé par Sylas, ça peut être complètement destructeur avec toute la paix qu'a ce personnage. On a évidemment Gnar qui est un atout non négligeable. Ensuite, on a Galio, Diana, Blitzcrank. Non, franchement, les teamfights, je pense que ça va être mais de la vraie bagarre en puissance. Et par contre, deux compos que je trouve assez bait and punish. Des compos qui ont un vrai potentiel de catch et de trap dans les buissons, dans les pits du Nash, etc. Donc, il va falloir faire très attention. La bataille de vision des deux junglers, je pense, elle va être très, très importante à remporter. Il va falloir en permanence avoir de l'avance sur son opposant pour mettre de la vision dans la jungle pendant les timings Drake, les timings de push, les timings de dive aussi. Donc, on va pas se mentir, ça va être aussi, hein, je pense, un duel de positionnement, un bon duel de macro. Et pour ce qui est de cette bot lane, en tout cas, moi, personnellement, j'ai plus peur d'une Blitzcrank Tristana qu'un Varus Thresh. Ça peut plus facilement être s'avérer dangereux en early game. Maintenant, Varus, ça poke bien quand même. Hein. Peut-être un petit manque de poke. Je dirais que le défaut de la team A, ce serait peut-être un manque de poke. Ouais, c'est vrai que la team A manque de poke. Elle est plus là pour recevoir l'engage et re-engage derrière, mais je pense que le manque de poke va pas être un problème, hein. Ils vont juste jouer leur jeu en mode on va avoir nos items, on va prendre des fights à partir du niveau 6 et on devrait pouvoir faire des choses avec nos combos d'ult. C'est vraiment une team qui tourne autour des combos du coup, alors que ouais, dans l'équipe B on a plus un côté on va poke un petit peu avant d'engage, on va attendre le méga Gnar, on va attendre le reset du Viego, de ce genre de choses. Mm-hmm. Donc, les combats, ça peut très vite aller à l'avantage d'une équipe. Hein. À tout moment d'inattention, par exemple, je pense
Si on zone mal cette Camille ou si on laisse trop la Diana faire ce qu'elle veut, l'équipe A va prendre très vite l'ascendant dans cette partie. Je pense aussi, j'ai envie de remettre un peu en question ce pick du Thresh. Ce Thresh, il était pick 13 en early. On avait dit de toute façon, hein, s'il n'était pas ban, une des deux équipes allait forcément le prendre. C'était des picks sur lesquels les deux supports étaient confort. Maintenant, là, actuellement, je vois pas vraiment qui le Thresh a envie de grab. Parce que bon, il peut grab Tristana, mais de toute façon, avec le jump, ça se counter assez facilement. T'as pas envie de grab un Diana sur ton équipe. T'as pas envie de grab une Camille. T'as pas envie de grab un Galio. T'as certainement pas envie de grab un Blitzcrank qui peut mettre un ulti sur plusieurs personnes et mettre un silence de zone. Je pense que autant ce Thresh peut être un vrai atout, comme on l'a dit dans le bait and punish, dans le trap, autant moi je vois pas vraiment à partir du mid-late game, est-ce qu'il peut vraiment être utile. Bon, il y a toujours des lanternes, un ulti évidemment, mais je pense que le grab du Thresh va rapidement être remis en question, du moins hein, je trouve qu'il sera pas très très utile à partir d'un certain moment, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je te rejoins là-dessus, hein. Je pense avec le Thresh on va plus se concentrer sur CE, repousser la Tristana qui met un jump-in, repousser la Diana, repousser la Camille, les ralentir avec l'ult et tout ça, et juste utiliser la lanterne pour sauver ou repositionner ce Varus et même ce Viego qui peut tomber très très vite, hein, parce que Viego, même si ça se régène beaucoup, ça tanque pas énormément, hein, ça tombe extrêmement vite. Mm-hmm. Donc je pense que ce Thresh aura plus un côté viens nous aider au lieu de va chercher quelqu'un. C'est vrai, bah, Pigeon hein, dans le chat hein, qui nous le dit, c'est vrai que c'est un Thresh défensif. En tout cas, pour cette early game, hein, quand on analyse ces deux compos, moi je le donne plutôt à la team A. Maintenant, si en très early, la team A prend pas un ascendant, un level 6 de Viego, un level 6 de Gnar, même un level 6 de Sylas, c'est plus surprenant et plus fort pour moi. En team fight, c'est plus surprenant, c'est ça permet plus de choses. Et du coup, j'avoue que moi, j'ai plus un faible pour le, on va dire la phase level 6, level 10 de l'équipe B. Mais maintenant, en late game, je pense que la team A, ça va être un rouleau compresseur. On a ces pics de Viego, ces pics de Sylas, ces pics de Varus. Hein, c'est aussi fort. Hein. Évidemment, on va pas non plus cracher dans la soupe. Ça marche, pas de problème. On a du coup une Tristana qui a pris purge. Voilà, elle a vraiment pas envie de se prendre un petit grab du Sylas, un petit grab de Thresh. Là, cette Tristana qui du coup jouera très safe. On n'aura pas de heal pour les deux botlane puisque Varus lui a pris un exhaust. On l'a dit, Varus c'est faible en early. Si ça se prend un gros burst de Tristana, ça peut clairement mourir très très tôt. Même si ça se prend un grab de Blitzcrank, bah, ça peut être très très faible. Donc l'exhaust c'est un très bon choix pour moi. Deux Ignite, évidemment, pour bah, les deux grabbeurs. Hein, ça ne fait aucun souci. Tristana, qui a la préférée, du coup, prendre la purge. Maintenant, un grab de Blitzcrank en early contre un grab de Thresh. Bon, évidemment, un Blitzcrank à l'ascendant, un grab de Thresh. Surtout si Thresh, il se met à y aller, que derrière, il se fait grab par le Blitzcrank, Tristana peut Z out et le Varus peut rapidement se trouver out of range. Voilà, différentes combos possibles. Au niveau de la mid lane, on aura donc deux téléportations pour le Galio et pour le Sylas. Et en top lane, deux téléportations également. Est-ce que tu as envie de revenir peut-être sur quelques runes qui te surprennent ou pour toi tout est à fait normal? J'avoue que y a pas Blitz du Varus, moi je préfère le jouer avec Comet, mais est-ce que je suis un peu un vieux boomer de la méta peut-être? Non, les deux se font, hein, mais quand tu vas jouer du coup à Comet, ça va être pour plus ce côté poke, mais là on a vu que du côté de l'équipe B, donc on va pas s'aventurer sur le train du poke, on va juste attendre et faire de gros teamfights. Mm-hmm. Du coup avec ce déluge de lames, moi je vais le faire en français parce que voilà. Bah tu vas pouvoir prendre attention par contre au Varus. On le flash. Oh, c'était très très très. C'était ballsy du coup. Ah, bon, alors il faudra se méfier du ex flash du Blitzcrank qu'on va en reparler. Je te laisse revenir du coup sur le Hell of Blitz rapidement. Bah on va juste pouvoir prendre des trades un petit peu plus longtemps. On va jouer agressif. En tout cas ça nous dit que du côté de du Varus Thresh, on va vouloir jouer agressif. Du coup, tout comme Tristana Blitzcrank. Eh ben, de toute façon, on l'a vu, hein, là, y a une petite tentative de dive. Un dive par le bush du bot side. C'est un dive qui se fait de plus en plus régulièrement. On n'a plus envie de passer par les chemins habituels des invades. Flash contre flash. Je pense que c'est évidemment extrêmement worth it pour le Blitzcrank. Il va falloir être pixel pour Zodiarch parce que quand on a plus de flash contre un Blitzcrank en early game, 5 minutes d'early game contre un Blitzcrank sans flash, il va falloir se cacher derrière les creeps, et ça peut évidemment permettre à la team A, hein, donc Ranin et Gropek, de prendre un avantage, surtout bah, avec le passif du E de la Tristana qui va lui permettre d'avoir un wave clear plus conséquent. Il va falloir être vraiment pixel pour Zodiarch. Là, je pense que cette perte de flash, c'est une catastrophe pour lui.
Ouais, c'est pas ça, va pas être une lane facile. Et du coup, juste dans le jungle, on a mis une ward au bleu de Azena ou au grab. Ouh, je t'interromps un petit peu, voilà, le bon grab de Ranin qui s'était caché dans le bush, bah on l'a vu indirectement, hein, le bon midlife qui a été trouvé sur le trash au level 1, et ça pardonne pas. Hein. Ça pardonne pas, et je pense que ça va faire ça jusqu'au niveau. Jusqu'à la fin de la partie, en fait, finalement. On va se rendre grab pour grab. Et du coup, on a l'info sur le clear de Adiana. Là, les joueurs savent à peu près que l'Adiana est assez loup. On a moins d'infos sur le Viego. Donc, c'est un peu compliqué pour l'équipe A. Ça va être... Et le Gnar qui a pris le push sur cette top lane. Le Gnar qui met la pression. De toute façon, on l'a dit, hein, très très early. Gnar, voilà, c'est vrai que Camille, à partir de level 6, ça peut commencer à faire plus de choses une fois qu'elle a voilà, son premier item. Je l'avais dit, le pourfendeur divin. C'est vrai qu'en très early game, bah, évidemment, elle va pas prendre de risque. Hein, elle va pas se risquer à mettre des gros bursts au Gnar. C'est pour derrière faire l'aller-retour sous la tour à se prendre full A et full slow du Gnar. Au niveau de la bot lane, on l'a dit, hein, ça allait être... Quoique, il y a quand même un bon freeze hein, de la part de la team. Ah, voilà, c'est évidemment elle qui met sur la tour. Le bon grab qui va toucher. Ouh, avec le A, le Ignite. Je pense qu'il est mort. Il va pas prendre le temps de flash. Non, si, c'est bon. On l'avait dit, l'exhaust du Varus qui a sauvé clairement la vie de Zul'Gala. Attention, attention à ce Blitzcrank. Parce que pour l'instant, c'est 3 grabs et 3 grabs, du moins, qui n'ont pas forcément touché, mais qui du coup étaient très, très menaçants à chaque fois. Il va falloir faire attention parce que là ça fait deux fois qu'on se fait prendre alors qu'il y a un petit combat en mid lane. Avec Sylas, prendre des trades en early sur un Galio, c'est assez compliqué. Hein, en tant que main Galio, il y a souvent l'avantage pour le Galio en early, en très très early. Après, ça reste Sylas hein, avec son Z maxé au niveau 5, niveau 4-5. Bon, avec Galio, t'es en mode bon, bah je ne peux plus rien faire, je peux plus le trade. Mm-hmm. Du coup, tu attends ton soit tour avec ton ult. De toute manière, ouais. une fois que la compétence est touchée et que l'aftershock est proc, le Sylas, lui, il doit jouer sur la durée avec son Conqueror, alors que derrière, le Galio peut mettre un gros burst et de toute façon tanker avec l'aftershock ce qu'il y a derrière. Donc, clairement, une phase de lane qui, pour l'instant, s'annonce à l'avantage de la team. Ah, mais attention, l'œil de Sauron! Attention, l'œil de Sauron! J'ai failli lui porter malheur à Fukuro, évidemment. Shinzoro, Sasa, Geyo, la Gami qui a pu grabiner un mur et s'en sortir. Voilà, elle va mettre la petite ward pour cancel le back du Viego. Voilà, Camille qui peut avancer, qui peut se prendre la pression. De toute façon, le personnage reste assez safe en vrai en toutes circonstances, du moment qu'elle garde son grappin au mur. Ouais, on a vu peut-être une tentative de Doomsy de bloquer le grappin de la Camille pour l'objet à flash. Malheureusement, la Camille est sortie assez sereine pour pas flash. C'est dommage, t'es bien tenté. Et du coup, du côté de cette botlane, un avantage pour cette Tristana, cette Tristana Blitzcrank. Bon, ça on s'en doutait un peu, hein, Blitzcrank qui est plus agressif que Thresh hein, dans cette composition. On l'avait précisé. Et cette Camille se fait trade toujours pas ce Gnar. Et ce Gnar qui va dès maintenant juste instaurer un freeze sur sa lane tranquillement. Surtout qu'il a besoin d'HP, il a besoin de résister longtemps en fight contre une Camille. Et il va devoir, je pense qu'il va essayer de farm autant qu'il peut sa pointe de l'immortel ou le Hextech Flash qui va voilà, supprimer la plante. Ouais, du coup, il veut farmer sa grâce pour gagner le plus d'HP possible, hein, pour pouvoir résister une fois que la Camille aura son power spike du pourfendeur divin. Et on l'a dit, hein, clairement, en botlane, bah, l'avantage, il est clairement pour la team A. De toute manière, on l'a vu, s'il n'y avait pas eu ce flash du Varus et cet exhaust, qui n'est d'ailleurs plus disponible. Il n'y a plus d'ignite, par contre, pour le Blitzcrank, qu'il avait lâché pendant le premier trade, où le Varus avait mis son exhaust et avait permis à son trash de survivre. Du coup, forcément, le burst n'est pas suffisant pour venir à bout de Carole. Et alors qu'on a l'air de vouloir jouer le dragon, la vision est récupérée sur Doomsy grâce à cette Pink Ward. Et on l'a dit, le duel de vision qui est très très important. Pour l'instant, c'est plus la team B qui a la vision pour ce Drake. Est-ce qu'on va tenter un dive? Est-ce qu'on va tenter un grid? Est-ce qu'on va tenter de faire ce Drake, mine de rien? Un Drake d'air qui ne pense pas trop de conséquences quand même. En early, il y a mieux. Tu peux laisser passer un Drake d'air. Hein. Je pense si ça avait été un Drake infernal ou d'océan, là, on aurait eu déjà, je pense, un premier combat autour de ce Drake. Mais un Drake désert, souvent, c'est un peu. On est un peu en mode, on va le laisser passer et on pensera au prochain. Et du coup, le Sylas qui a récupéré l'entrée héroïque du Galio. Donc on a deux entrées héroïques sur la feuille. Donc à tout moment, ça peut partir. L'étincelle peut partir à tout moment pour un premier fight, un premier catch. Ça peut partir très vite. Doomsy qui va essayer de chercher des cornes dans le jungle de cette Diana, mais ne trouvera pas grand chose à se mettre sous la dent.
Il rentrera bredouille de la chasse aux champignons dans la jungle adverse. Après, ouhouhou, ce blue buff qui va respawn l'œil de Sauron, qui encore une fois s'est fourvoyé. Les deux blue buffs qui vont revenir, mais du coup, le trade du Drake ne sera pas sans conséquence pour cette Diana qui va du coup devoir laisser son blue buff au Viego. Je pense que c'est mieux pour Viego à TM de jouer plus solo et de jouer plus pour son XP que de jouer pour la team. Et Fukuro qui a l'air de vouloir se diriger sur le Sylas, il faut faire attention, il y a Carol qui est caché dans le buisson. Ouh, Kotokiro qui prend un petit peu la sauce, il a pris un bon mid life et la lanterne. Oh, mais un très très bon ulti de Camille qui a été utilisé directement. La lanterne n'a pas permis de sauver Kotokiro qui va devoir se sauver les fesses. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait ce Galio? Tu n'avais presque plus rien, il va devoir cramer son flash. Attention, Doozy qui arrive en fonction de Galio. Qui va le récupérer. Je pense que c'est terminé, c'est le first blood pour la team. À moins que. Oh non, c'est bon! Ça a été récupéré, la Diana qui sort de nulle part et qui va récupérer directement un kill dans la jungle. Le deuxième récupéré également pour Fukuro. Qu'est-ce que c'était que ça, le fight qui s'est joué en deux temps, j'étais un petit peu focus sur là-haut. On a traité ce Galio, mais on a tellement perdu de temps. On a mis tellement de temps à le tuer. Les droites gauches de Lévi d'avant, Cristiano Ronaldo qui a réussi à se défaire de la défense adverse. Et derrière, ça a permis à la Diana de lâcher un ulti sur deux personnes et de récupérer deux kills. Un pour la jungle, un pour la top lane. Alors qu'on pensait que ça allait être à l'avantage de la team B, finalement, c'est la team A qui a profité de ce team fight. Ouais, c'est worse pour la team A, hein. On a récupéré un Drake, on a récupéré deux kills, un sur la Camille, un sur la Diana. On est très très bien. La Tristana qui a été laissée en farm, qui va prendre une wave d'avance sur ce Varus, et attention au grab du skunk. On a eu chaud aux fesses sur ce grab. Ah, ce teamfight était vraiment vraiment impressionnant, mais à quel point il a réussi à tempo avec son Galio. On pensait qu'il était terminé. Je crois qu'il a mis un sidestep sur le W du Viego, ce qui a permis de pas être stun et du coup de résister assez longtemps. Et du coup, voilà, l'avantage, il est clairement à la team A. Et puis voilà, de toute façon, si on n'a pas envie de feed quelqu'un, par contre, c'est ce Viego et cette Diana, les deux junglers. Ouh, les vies d'avant, le bon proc de l'Aftershock. Mais non, mais Svelte avait reculé. Svelte avait beaucoup reculé. Je pense qu'il avait raison parce qu'évidemment, côté Kiro qui va revenir, évidemment, qui a probablement donner un deuxième kill ou peut-être un petit problème de communication. Il avait reculé pourtant Svelte, mais Lévi d'avant qui avait envie de sang. Et alors que Zodiac qui s'est complètement fait avoir, et gros pec qui sort les muscles et qui met un ulti pour permettre pour empêcher le Varus de prendre la lanterne. Très très bien exécuté de la part de la team A. Une erreur d'un côté, un bon place de l'autre, on se rattrape. Oui, et du coup, les Deathvarus, on a flash dans le mur, on a cassé le mur. Perdre son flash sur ça, est-ce qu'on c'était raisonnable d'essayer de claquer son flash? Je suis pas sûr pour flash du Varus. J'ai l'impression que ça découle un peu de problèmes de communication, hein. On l'a vu, Svelte a reculé, mais Lévi d'avant qui a quand même avancé, alors que pourtant, ça devait être lui qui devait avoir l'information que le Sylas allait revenir. Pareil, hein, le Varus qui flash un peu dans le mur alors qu'il avait la lanterne. C'est un petit peu dommage, du coup ça a permis à la Tristana de l'ulti et donc de le mettre out of range de la lanterne. Et après, on le sait, hein, c'est des joueurs qui jouent un petit peu peut-être pas pour la première fois ensemble, hein, peut-être qu'ils se sont entraînés. Voilà, c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude du monde de jouer ensemble, du coup c'est normal si on retrouve ces petites erreurs à droite à gauche. Attention, on a l'ult de Diana sur ce Sylas. Eh oui, attention, ça peut être très dangereux. Je pense que Sylas, il a envie de roamer. Je pense qu'on a envie de clairement shutdown le ledge de la botlane de la team A. Ouh, le Blitzcrank, attention, ouais, il a les stack flash, mais il a pas son flash. Là, l'agression de Lévi d'avant qui va tranquillement être deny par côté Kiro. Bon, un duel un peu aussi de roaming, hein. Il y a beaucoup de potentiel de gang des deux côtés, hein, Hiro. Hein. Ah oui, non, mais tout à fait. Hein. On a ce Galio qui, avec une entrée héroïque, peut arriver très vite pour aider son équipe. On a Lucales avec sa TP qui peut venir assez rapidement aussi. On a malheureusement pas TP sur les top laners, mais ça peut venir très très vite. Hein. C'est Diana qui peut arriver très vite. Q, E, ult dans la mêlée. Ça va vraiment vite. Ce Viego qui peut ult, repousser les gens sur son ult. Il y a des choses pour les ganks, mais c'est très compliqué quand même pour le moment de trouver des opportunités de gank. Les lanes sont soit trop sous leur tour, soit l'ennemi n'est plus là. Et on va jouer le héros du côté de l'équipe B. On va vouloir prendre ce héros. Oh, et le Mangra qui va être touché sur Carol, le one shot qui va partir direct. Hein. Un grab, ça ne pardonne pas. On l'a dit, hein, ce pic de Thresh qui était très défensif, Pigeon l'avait soulevé un peu plus tôt. C'est ce Thresh qui peut permettre potentiellement, si un des membres de l'équipe B se fait catch, et ce Thresh qui peut permettre
de faire reculer avec la lanterne sauveuse, mettre la lumière dans l'obscurité. Par contre, si c'est le trash qui se fait grab, là on va pas se mentir, c'est la prison, c'est Alcatraz direct. Alors que Doomzy va peut-être tenter un gank, mais je pense que ce sera sans conséquence. Foucault a juste à faire un petit sasageyo sur le côté et revenir tranquillement protégé par son édifice, par sa tourelle. Bon, c'est un petit peu plus taqué en tout cas ce mid-game, on a eu quand même des bonnes actions, mais pour l'instant, cette Tristana et ce Blitzcrank, ce duo qui marche extrêmement bien et qui permet de feed cette Tristana, une Tristana feed, on en a clairement pas envie du côté de la team B, alors que Fukulo qui a réussi à toucher un ulti sur Doomzy. Entrée héroïque. C'est tellement dommage, l'entrée héroïque du Galio qui connecte, il avait pas de flash pour potentiellement mettre un E et pour mettre un one-shot. À Viego, ça a tellement d'escape, c'est difficile à catch. C'est difficile à catch, mais là on avait la prison de Camille qui l'empêchait d'aller loin. C'est dommage. On a peut-être eu un problème de communication. On n'était pas très, j'ai plus le mot, très serein ou on n'était pas assez confiant. Mais comme tu as souligné tout à l'heure, la Tristana, elle a quelques 16 d'avance, 2 kills d'avance, des plates d'avance. Donc la Tristana qui s'envole un peu dans cette partie et une âme infernale dans cette game, sachant qu'on a déjà 2 dragons en faveur de l'équipe A. Il faut se ressaisir du côté de l'équipe B, aller chercher des catchs, aller chercher des dragons, parce qu'on peut pas laisser une âme infernale à une Tristana, à une Diana, à une Camille. Ça fait mal très vite et du coup, c'est très problématique. Alors qu'il y a un laning gang qui a l'air de se préparer pour la team A, le POC de Fukuro sous la tour, mais Blobfish, je sais pas si Blobfish s'en doute, en tout cas il joue plutôt safe. Il a, oulala, 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 attention les agressions sous la tour, mais de façon Camille, oh oh oh, on l'a vu, ne te fais pas bait, c'est terrible, je pense qu'il l'avait vu, les petites boules de Diana tournoyer. Est-ce que t'as déjà vu les 2 boules de Diana? Bah Blobfish lui, il les avait vues dans le bush, et bah du coup ça lui permet de se sauver la vie, bien joué safe. Et par contre, j'ai envie de revenir sur ce petit infernal, comme tu l'avais dit, on peut potentiellement laisser des fois, c'est une petite stratégie, par exemple Misfit quand ils avaient comeback contre Fnatic, je prends l'exemple de LEC pour qu'on soit tous un petit peu le plus à jour, ils avaient laissé Fnatic prendre la sol pour derrière pouvoir bénéficier de l'infernal, et alors que je raconte ma vie, et bah ce Blitzcrank Tristana qui continue d'être un combo qui marche du tonnerre. Encore une fois, le grab du trash, on le sait, et c'est le... top aussi. Et oui, et t'as raison, Blobfish qui a l'air de s'être fait... Svelte a dû revenir, je pense qu'il a dû grid une wave en plus. Et du coup, encore un kill pour cette team A. Il faut attention, faut faire le moins d'erreurs possible. Parce que finalement, c'est lorsqu'on fera des erreurs qu'on se fait punir, surtout dans cette early game. Alors que en late game, je pense qu'on aura plus l'occasion de pouvoir potentiellement combattre. Donc là, il faut presque être irréprochable pour la team B. En tout cas, ce trash qui se fait grab 3, qui se fait grab 4 fois, il meurt 3 fois sur 4. Ce Blitzcrank a l'air d'être quand même un peu plus menaçant que ce trash. Hein. Ouais, mais on l'avait dit, trash n'est pas là pour attaquer, il est là pour défendre. Et malheureusement, il est un peu derrière niveau item. Et du coup, en point item, les premiers mythiques font leur apparition. 2 profondeurs divins du côté de l'équipe B, sur ce Gnar et ce Viego. Donc, my bad, hein, c'est un Gnar profondeur divin et non Eviscerator. Non, pas Eviscerator. Quoi Tu veux profondeur divin. Attends. Alors en tout cas, avant qu'on recherche, en tout cas, il y a un gros fight qui a commencé avec entre le héroïque qui a été remis. Et le Galio qui va. Oula, il a pris la lanterne, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Oh là là, alors ce fight était complètement décousu alors qu'il y a encore l'agression de Fukulo, attention parce qu'il a un peu laissé ses 2 autres joueurs un petit peu seul au monde, mais attention, la Diana de Svelte qui va derrière trouver une connexion mais qui va devoir craquer son Zonia, elle avait pas de dégâts, elle avait pas de burst, elle était complètement tout seul, mais Fukulo avec sa Camille qui met des dégâts bruts complètement impressionnants, et Pupfix va se transformer en Mega Gnar, il a son outil, là le rotation de CC est complètement folle, il est emprisonné, CC pendant 40 secondes, c'est complètement impressionnant, la très très bonne rotation de CC de 2 joueurs, l'ulti de Gnar derrière le Z, derrière le E du Silas, derrière les Vefrost, il n'a pas pu bouger, il était dans une camisole, et oula, il y a eu un fight un petit peu en eau trouble là pour les A, il y a eu la première agression, on a quasiment tout lâché, et alors qu'on avait réussi à faire un 1 pour 1 et s'en sortir, ils ont voulu grid, ils ont été accompagnés par Fukulo qui a voulu grid sur cette botlane, Svelte qui est rentré dans le fight alors qu'il avait rien, il est rentré, il a pris 3 tartes, il a dû claquer son Zonia en se disant ça y est c'est terminé, attention à ne pas grid quand même, attention aux excès de confiance, ne soyez pas trop coquille parce que finalement il y a beau avoir 9-6 au score, 2 drakes d'avance, il y a quand même un kagol d'avance pour la team B qu'il a réussi à le sécuriser en prenant cette tour à la mid lane, l'ulti de Blitzcrank qui est sauvé,
qui est volé pardon par le Silas. L'ulti qui va être mis, il est silence, il peut pas lâcher d'ulti. Si ça y est, il est fini, mais par contre, il avait déjà pris trop de dégâts. Doomzy qui est en grand danger. Je crois que la Tristana a son W, mais elle ne veut pas prendre le grid de se prendre à l'ulti du Viego. Svel qui va mettre son ulti, reviens là, dégage, qu'est-ce que tu fais là? Viens là. Tu n'as pas le droit de t'en sortir. Et du coup, ça va permettre à la team A de prendre ce troisième dragon. Et derrière, la team B qui, elle, va plutôt récupérer la T2 en mid lane. J'ai l'impression que, comme je l'ai dit, la team B s'en fiche un peu de perdre des Drake. Parce que si on peut avoir un prendre l'ascendant au gold, gagner un fight, et derrière prendre un Drake ancestral à genre 25-30 minutes de jeu, ça peut être complètement clutch. En tout cas, si on voulait du fight, on est plutôt rassasié dans cette rencontre. Ah ouais, on a du fight partout, absolument partout. Mais du coup, du côté de Viego, on aurait peut-être vu ult out, éviter de donner plus de kills à cette équipe. Le Silas qui était bien, qui avait 8 stacks de saut noir, il n'en a plus que 4. On perd un peu de choses hein, quand même pour l'équipe B. On perd quand même beaucoup. Hein. On donne beaucoup et on récupère pas grand chose à part des tours derrière. Enfin, c'est même s'il y a un touch gold, c'est compliqué quand même. Ce teamfight, il avait pourtant bien commencé hein, pour la team B, le bon grab de Blitzcrank. Ils avaient mis une bonne rotation de CC sur ce Silas. Et en tout cas, il n'a pas besoin de se faire grab pour se faire complètement one shot. Zodir, je vais récupérer cette lanterne. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux voir dans le noir, Gilbert Montagny sort de ce corps. Tu as besoin de cette lanterne. Et Coco Telico qui, malgré avoir récupéré le titre Camille, son équipe avait déjà pris ses jambes à son cou. Et il s'est retrouvé complètement tout seul. Et il a pris la purée en pleine face. Et il s'est complètement fait détruire. Bon, cette fois, ce fight était un peu plus cousu. Il y avait un peu plus de sens. Et ça permet de prendre un vrai ascendant pour la team. Ah, et le grab, on l'a dit, de Doomzy. Mais par contre, on l'avait dit, c'est un Silas. Il a énormément de moyens de se barrer. Et son ulti en fait notamment partie. La team A qui commence à prendre un vrai ascendant. Ça y est, les fights, ils se concrétisent. Ils sont plus clairs. Ils sont plus compréhensibles. Ils sont un peu plus coquilles. Ils y vont un peu plus dans le tas. Et du coup, on a un peu plus l'impression que le cours du match est en train de complètement basculer pour la team. Bah, on a une Tristana en 6-0 du côté de l'équipe A. Elle a one shot, elle a mis des dégâts monstrueux au Varus. Hein. Varus était en mode bah je vais mourir. On a eu des dégâts monstrueux sur Coterico, sur Silas. La Tristana qui est bien dans sa partie. Je vois mal comment on peut aller chercher en plus. Et attention, Doomzy qui est mal positionné, qui va se faire punir. C'est encore une fois fait punir. Attention aux erreurs de placement, on l'a dit. C'est deux teams qui sont vraiment bait and punish. Deux teams qui ont un trap potentiel énorme. Et on l'a vu, la moindre erreur de placement, que ce soit Blobfish, que ce soit Zodiarch, que ce soit Doomzy, personne n'est épargné. Ça peut être une hécatombe. Comment on peut faire maintenant? Parce que c'est vrai, on soulève des problèmes, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ce Blitzcrank? Est-ce qu'on doit nous aussi trap? Est-ce qu'on doit au contraire essayer de chercher des kills à droite à gauche? Rome, est-ce que tu aurais des solutions pour contrer ce Blitzcrank qui est pour l'instant létal à la team B? Contrôler la vision. Blitzcrank joue beaucoup avec le manque de vision de l'équipe B. On l'a vu, hein, manque de vision, Blitzcrank arrive, grab, c'est une mort. Prendre contrôle la vision, faire attention à son positionnement. Jouer le catch. Mais le catch, c'est une stratégie à double. Oh, mais j'oublie tout! À double tranchant? À double tranchant. J'allais dire à double couteau. C'est n'importe quoi. À double tranchant. Tu peux. Soit le Blitzcrank a un éclair de génie et il grappe dans le bush où t'es en train de trap. Et dans ce cas, c'est pas de chance. Et dans le cas, tu peux grabber le Blitzcrank, mais rien n'empêche de lutter derrière. Il te silence. Galio arrive avec une entrée héroïque. Diana avec. Avec sa répulsion céleste. C'est une encyclopédie de connaissances. Et tu l'as dit, ce problème de vision qui peut être. Oh non, c'est bon. Blobfish, il va pas rentrer dans ce bush. Là, les bushs, clairement, c'est le shaitan. Ne te fais pas avoir par la tentation du diable. Et du coup, ça a l'air d'être un. Non, peut-être pas un early nash. Non, là, on va juste contrer la vision. Tu l'as dit, c'est une vraie bagarre de vision. Alors que de l'autre côté, directement en botlane, c'est Fkuro qui tente une agression sur Koto-te qui veut. Prenez des pseudo-moi compliqués quand c'est un type fat comme ça. Mais Fkuro qui va probablement prendre l'assaut. Ça y est, il est mort. Heureusement, ouais, mais heureusement que Diego était botlane, bah finalement pas tellement, parce que derrière c'est le Nashor en cross map. Très bon decision making de la part de la team A qui a su, elle a eu l'information sur Diego, t'as envie de sauver ton pote, et bah c'est Nashor direct. Et du coup, bah finalement ça permet, c'est complètement worth it pour la team A. Je pense que l'agression de la Camille était bonne dans tous les cas. Coco Telico,
Seigneur Dieu, qui dans tous les cas serait mort s'il était tout seul. Et s'il est à deux, bah, ça permet de prendre la vision. On a dit le contrôle de la vision qui a été fait au Nashor. Et ça permet de profiter à la team A. Le cross-map très bien géré, très intelligent. Bah, j'ai l'impression que macro-diff, hein, on va pas se mentir. Bah, on est à 20 minutes, Tristana en 7-0. On a Nzena qui est bien dans sa partie. Le Nashor tombe vraiment très vite. Nzena qui est maintenant à son tueur de Kraken, ses danseurs fantômes. Qui semble partir sur une âme d'infini en plus. Une âme tempête, peut faire les deux. Okay, bon. En tout cas, on me dit dans le chat que Coco Telico, son prénom c'est Corentin, donc je vais l'appeler Corentin maintenant, ou juste Coco en tout cas. Le potentiel de Siege avec l'Elder qui avait été fait tout à l'heure, rappelez-vous-en, le grab de Running Glaive qui ne connectera pas, et du coup, avec ce Elder plus Nash, on va un peu. Oula, non, j'allais dire on va essayer de récupérer la T2 en mid lane, mais non, on va reculer. En même temps, il y a la Saul. Tu l'as dit, cette salle infernale qui peut clairement mettre un bon coup à la nuque à la team B. La vision qui va être contest, on a déjà entamé cet infernal Drake. Fini. Le dragon est mort. Et ouais, c'est bon, hein, il s'est complètement fait détruire ce dragon. Évidemment, la team B qui avait tenté de prendre la prio, mais voilà, Camille, qui pendant qu'ils étaient en train de push en mid lane, Camille a pris la priorité en bot lane, ce qui lui a permis derrière de reculer vers le Nashor. Et pendant le dépush, et bah du coup, ils ont voulu contester l'infernal, pas dépush la mid lane. Du coup, l'Elder a pu récupérer la T2 mid. Avec ce buff Nashor, on récupère la T2 bot. On est en train de tomber, mais comme des mouches, les tours sont en train de tomber comme des mouches pour la team B. Le bon grab de Running Glyph qui va se prendre la sauce. Heureusement qu'il a son Zhonya, ça lui permet de counter la rotation CC du coup derrière Svelte, qui est rentré dans le fight et qui a fait un dégât. C'est une bombe nucléaire. Et c'est en train d'être l'hécatombe, le mid-game de la team A. Oh, attention, alors qu'il y a une très très bonne agression. Dommage, il avait fait le café ce gnard. Le tir contre le mur, tiens, mange un bout de béton. Mais malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Alors, il y avait du bon dans ce fight de la team B. Mais ça n'était pas assez. Et ça va être, j'ai l'impression, une victoire en 23 minutes. Bah, c'est... Ça a été... Oula. On a pris un petit coup de tour là de la part de Rabbit Glyph. C'est rien, c'est la rue. On fait l'erreur en négatif. Mais enfin bon, pour l'instant, ça a été clairement une macro diff. Le call du 1v1 de la Camille qui a permis de prendre la vision. On a pris le Nash. Derrière, on pose l'Elder en mid lane. On prend la T2. On recule au Nash. On prend la Saul. On va en bot lane que la Camille avait des push. Enfin, vous m'avez compris. La draft diff. Enfin, là, ça n'a pas été la draft. Enfin, un peu de draft diff, j'ai l'impression quand même, avec ce combo Blitzcrank into Galio into un potentiel de teamfight monstrueux qui a fait la différence. Et en plus, on a eu une très, très, très bonne gestion de la macro de la part de la team A. 1-0 pour la A. Les dégâts, s'il vous plaît, la régie. On aimerait bien quand même voir les dégâts de la T5. Je pense que Tristana a vraiment juste 1v9 la partie. C'est plus qu'un mythe. Pas autant que ça. En vrai, je pensais que Tristana avait plus de dégâts que ça. En fait, finalement, Tristana, elle a beaucoup fait ses kills et ses dégâts. On l'avait dit en early mid, hein, avant level 6 et encore un petit peu 6-7. Avec chaque fois Blitzcrank qui grabait, elle mettait toute sa sauce sur le trash et elle récupérait un kill. Du coup, bah, forcément, hein, ça a fait clairement la différence au niveau des dégâts. Parce que quand on prend plus de kills en early game, bah, forcément, ça fait moins de dégâts que de mettre des gros 3000 de dégâts bruts avec le pourfendeur divin de Camille. Bon. On a parlé des drafts, on avait dit que ce serait un peu plus à l'avantage de la team A en early game et ça leur permettrait de clutch. Je dirais pas qu'on est Nostradamus, mais enfin c'était un scénario qui était assez concevable. Bon, on n'a pas réussi à trouver la solution contre ce Blitzcrank finalement. Hein. Absolument. On n'a pas trouvé la solution pour ce Blitzcrank, mais à défaut de vouloir trouver une solution pour ce Blitzcrank, on aurait peut-être dû. On s'est peut-être fait bait. Pique, en mode on pensait que Galio était sport, on va pique le trash et bah non, on s'est fait brain, ça a piqué un Blitzcrank et du coup on pouvait pas faire grand chose du côté du trash et je pense que aller chercher la Tristana avec un Blitzcrank aussi agressif c'était impossible, c'était pas facile en tout cas, on a vu hein, et, si on arrivait par hasard derrière le Blitzcrank, il y avait une Zhonya qui arrivait et on avait un nul de Galio en plus, on a joué autour de la décarie quand même. Je pense qu'il n'y avait pas trop de solutions pour l'équipe B dans cette partie. On a donné un peu trop d'avance à la Tristana. La Tristana a snowball. C'était de l'art. C'était de l'art du côté de l'équipe A et un peu de misplay du côté de l'équipe B, malheureusement. Eh bah juste de rien en fait, de rien pour les services. On l'a dit 10-0-3 la Tristana qui a roulé sur la game, voilà, elle était à bord de son tank, elle a complètement roulé. On l'a dit draft diff en early toutes les lanes je pense à part la top lane, en early il y avait un avantage qui était assez majeur pour la team A, bah elle a su en profiter, forcément le résultat qui découle derrière est assez logique. Néanmoins, il y a eu quand même des moments où on s'est dit ah peut-être que finalement la team B peut faire la différence. Je repense à ce fight en mid lane qui avait été mal géré.
un fight en deux temps qui avait été mal géré par la team A, derrière la team B a pu récupérer quelques kills et un petit peu revenir. Bon, malheureusement, bah, le résultat, il est là. Bon, clairement, le pic de Blitzcrank qui était l'atout de l'équipe eShots. Et c'est ça qui a permis finalement de débloquer leur league game. Le duel de vision, il a été noté. Et puis, j'avais juste envie qu'on revienne hein, clairement sur cette macro diff. Les deux types ont bien joué, mais par contre, au niveau micro, il n'y avait pas trop eu d'erreur de mécanique. Par contre, au niveau de la macro, comme tu l'avais dit, hein, le duel de vision, il avait clairement été remporté par la team A. Et en même temps, derrière, on a eu ce truc de macro, c'est-à-dire que ils ont pris la vision au Nashor, ils ont essayé de bait le Gnar, bon, heureusement Gnar est resté safe, mais du coup ils ont pris la vision au Nashor. Camille a engagé le fight en bot lane en se disant dans tous les cas je peux TP si je gagne le fight et s'il y a Viego, ma team fait le Nashor. Il s'est avéré que Viego était là, du coup bah, elle est morte, mais au final ça a permis de récupérer un Nashor pour la team A. Derrière, en plus de l'Elder, ils ont pu mettre une grosse pression en mid lane et récupérer le dragon derrière. Une fois que la T2 mid était prise et que la Saul était prise, on est reparti là à la botlane qui avait été push précédemment par la Camille et on a pu complètement finir la game. Juste, c'est dommage qu'on puisse pas avoir le replay, mais le fight final, le bon grab qui est mis, l'énorme sauce qui est mis sur le Silas qui était un petit peu le seul qui était un peu fed hein, dans la team A. Tu l'avais dit, hein, il était en 3-0, il avait 3-0-3, il avait des gros stacks de saut noir. Le Medja, je pense, n'aurait pas été imaginable du moins avec la tournée de la game, mais voilà, on le grabe, on le silence, il prend la sauce, on n'a plus rien derrière pour la team B, et bah du coup forcément le Svel qui rentre dans le fight qui met 800 dégâts à absolument tout le monde à la fin, bah, c'était juste ça a complètement carry, et du coup on a pu terminer la game. Pas une grosse surprise, malgré que ce Gnar quand même, hein, à la fin, le Gnar, il a mis un très très bon outil sur trois personnes. Peut-être que dans ses élans, ses éclairs de génie, ses élans d'orgueil, on aurait pu peut-être faire la différence pour la team B, mais enfin, revenons pas sur le passé, passons plutôt sur le futur. Du coup, les deux équipes vont s'inverser, ce sera team A en blue side et team A en red side, team B en blue side. Est-ce que la side a été importante? Je ne sais pas. Après, le dragon était dans la side de la team A et c'est elle qui a pu le plus faire, mais je sais pas si c'est vraiment ça qui a fait la différence, je sais pas ce que t'en penses. Je pense niveau side, on n'a pas joué pick par rapport au side, hein. Je pense qu'on est en mode on va prendre nos picks de confort. Je pense que cette Tristanos en raid ou en blue side, ça aurait absolument rien changé. Je pense là au side de la game aurait été pareil. On aurait eu une victoire de l'équipe A à la fin. Ouais, je pense aussi. En tout cas, les pronostics, on avait 7376 pour la team B et 800 pour la team A. Et du coup, Sky Stormis qui se ralasse oh, wow. 8000 points. Ah, il avait vu le bon pariant, mesdames et messieurs. Et Sky Stormis qui va se renommer Sky Stormis Promo. Sky Stormis Prono, il va faire des pubs sur Snapchat désormais. En tout cas, on le voit. Quand une team peut avoir l'avantage sur le papier et finalement, bah, c'est pas si sûr que ça. Et les deux équipes, je pense qu'on est bon. Les deux équipes se sont placées comme il faut. Top, jungle, mid, ADC, sup. Et ils vont partir en draft dans très peu de temps. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu et qui pourtant est très méta en ce moment dans la première game? Le blanc. Le blanc, oui. Le blanc est très méta. On n'a pas... Elle est méta dans le sens où ses counters sont pas très forts en ce moment. Il reste Lissandra, mais quand je vois Lissandra, c'est voilà quoi. C'est pas dingue. Moi, j'ai envie de voir une Gwen. Il y a Gwen, mais Gwen a perdu un peu sa prestance avec le nerf qu'elle a pris sur son E. Tu passes de 40 de vitesse d'attaque dans les premiers néos à 20%. Ça enlève quand même pas mal de potentiel d'engage et fight. Mais est-ce qu'on va enlever des choses autres? Est-ce qu'on va ban par exemple la Tristana, le Blitzcrank? Est-ce qu'on va vouloir rester sur un Thresh? C'est ce genre de question. En tout cas, la team B qui avait ban 3 top laners, ils avaient ban Irelia, Tamkench et Volibear, je crois, si je m'abuse. Et bah, pour l'instant, c'est la même histoire, j'ai l'impression, qui est en train de se répéter. La team B qui reban le Tamkench et la Irelia. On est reparti sur un ban de fille. Cette fois, c'est Ezreal qui a été ban par la team A. Moi, j'aimerais bien voir des trucs un peu plus coquilles, un peu plus solo lane, parce que c'est vrai qu'il y a eu deux compos qui. La compo de la team A reposait beaucoup sur du team fight. Mis à part, même cette Camille finalement. En tout cas, Volibear du coup qui va être ban par la team A, du coup la team B qui a le choix. Est-ce qu'on va reban un top laner? Est-ce qu'il y a tant que ça une top diff? Il me semble pas qu'il y a tant que ça une top diff pourtant dans les lots, je crois. Je pense pas. On a plutôt. D1 et Fukuro est D4, donc je ne sais pas. Non. On a peut-être plutôt peur du potentiel de combat d'un champion. Là, on va enlever la Camille. On va enlever la Camille de Fukuro.
Ouais, les teams sont inversés. Oui, évidemment, Team B est à gauche, normalement, et Team A est à droite. Pour ça que, évidemment, vous doutez que Fukuro n'a pas ban Sakami. En tout cas, Xin Zhao avait été ban par la Team A il n'y a pas longtemps, et il est resté open. Et bah du coup, derrière, on part sur ce Xin Zhao, il est confirmé first pick. En réponse, on a Trundle, un duel dans la jungle, du coup. J'avoue que j'aime pas trop Trundle. Je trouve qu'il revient un peu dans la méta, mais je le trouve pas si utile que ça. En fait, je trouve que autant Mundo dans la jungle est inutile alors qu'il est très méta, ce qui me dépasse. Autant lui, au moins, il a le pilar, il a des opportunités. En tout cas, Xin Zhao Trundle, moi, je le donne quand même à Xin Zhao. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, ça se trouve, ce Trundle est mid lane. On sait jamais. Ça s'est déjà vu. Oh là là. Les scénarios, les scénarios de l'impossible. En tout cas, on est parti du coup sur un Bard. On l'avait dit, Ranin, qui est très très confiant sur son Bard. Je crois en que plus, c'est son main. Et je ne m'abuse. Bard, ça fonctionne très bien. Bon, je vais parler en termes de chiffres. Mais à OLO, c'est un des meilleurs supports qui permet de roam facilement. Ça fonctionne avec plein d'AD carry, Jhin, Kai'Sa. Et on va pick ce Ziggs, qui sera sûrement AD carry. Enfin, AP ouais, carry, du coup. Sûrement Ziggs bot, ouais. Avant de se prendre un énorme nerf bien mérité. Alors, vous savez qu'il y a un peu ce combat un peu qui se fait dans, la, dans, dans les hautes scènes de LoL entre Fnatic qui nous prend des Lucian mid, des Tristana ADC et des Mad Lions qui nous prennent des Ziggs APC et t'as 3 AP carry avec Rumble Jungle. On a un peu tout. Je sais pas ce que t'en penses. T'es confiant de pas avoir de DPS, pas avoir d'AD carry dans une équipe bah... En tout cas, c'est la Leona qui accompagnera ce Ziggs. En fait, quand t'as un Ziggs dans ton équipe, et là ils l'ont bien fait, c'était réfléchi, la Leona va te permettre de pallier ce manque de DPS avec tes CC. Si l'ennemi ne peut plus bouger, tu le DPS tranquillement sans bouger. Enfin, tu vois, je sais pas si vous arrivez à voir l'idée derrière, mais tu pallies le manque de DPS par plus de CC, plus de stun, comme ça l'équipe adverse peut pas trop bouger, et du coup t'as pas besoin de DPS très très fort, hein. Juste tu mets tes skillshots et ça passe tranquille. Et du coup le Varus qui va être au pic face à un Ziggs Leona, je suis non, pas... Non, du coup non, il est gros pick, il est pick par l'autre équipe. Ça me perturbe. Je comprends pas ce Varus, mais peut-être, en fait, s'il faut, on est des boomers, hein, je te le dis, il y a moyen qu'on soit des boomers. En tout cas, botlane Ziggs Leona contre botlane Bard Varus. Encore une fois, je m'excuse, mais je pense que le Varus va se faire oblitérer sa grand-mère. Je me permets de le dire. En tout cas, on est parti sur un ban de 7 dans la top lane. Je comprends pas l'utilité d'un Varus. Enfin, dire, surtout le Varus se fait stun. Il a pas, c'est pas une Kai'Sa qui peut mettre un ulti et du coup direct rotate de, enfin swap de focus. C'est pas une Tristana qui a un jump. C'est pas un Jhin qui a 50 000 de boost speed. Ah, je comprends pas ce Varus, moi. Surtout que Ziggs a plus de potentiel de poke que Varus. Surtout que le Bard, à un moment, va devoir roam pour aller chercher Scarion ou aider son équipe, alors que Leona peut rester en trap ou pour rester sur la lane, et une éruption solaire suivie d'un E, ce Varus est genre mort, en fait. Mais on va sûrement prendre une purge du côté du Varus pour pallier à ce manque de... Je pense que ça me paraît très raisonnable, hein, parce que là, ce Varus, pour moi, est finito. En tout cas, au niveau des bans, on a ban Syndra, Lucian, deux midlaners potentiels du côté de la Team A et la Team B, parce que je rappelle que c'est inversé, qui, elle, a ban Sett et Aatrox, donc deux top laners. On partirait du coup sur un Non, ouais, oui, voilà, Xerath, tu l'avais dit aussi. Enfin, je l'avais dit, pardon, la Team A qui a ce Xerath qui est presque... qui est l'un des mains, hein, enfin du moins l'un des persos que Lady d'avant a le plus joué récemment. Au niveau de Coco, Yone pour Yone. Répondre à ce Xerath. Ah, Yone contre Xerath. Le Yasuo, le Yone. Mais en fait, ce qui me dérange avec le Yasuo, c'est que là, il a rien pour combo, en fait. Oh, la Qiyana. Yone me paraît mieux parce que bah, t'as toujours ce truc où tu peux avancer, mettre un gros burst et reculer et du coup pas prendre le burst back du Xerath. Je ne crois pas à Stimo, c'est un mensonge. Et le Yasuo n'avait absolument rien pour combo, je pense que c'est pour ça qu'il s'est ravisé. Qiyana, pareil, un peu faible, même si elle a moyen de rush rapidement ce Xerath. Je trouve qu'elle combote pas très bien avec un Xin Zhao qui va repousser tout le monde. Une Leona qui au contraire va concentrer du monde, j'aime pas trop ce pick Qiyana. Et du coup, on va partir sur le Malphite. Évidemment, personne n'y croyait à ce Teemo, par pitié. Et du coup, on a un team fight de la part de la Team B. Mais un team fight, t'as peur. Leona, Yone, Malphite, Xin Zhao. Ça donne pas cher. Alors, est-ce que le pilar de Trundle peut cancel Malphite? Je pense pas. Enfin, ou alors, faut être. Je pense que oui. Non, ça. Ok, la régie nous dit que non.
Moi, je... Et du coup, et pour pallier, pour pallier ce gigantesque teamfight de la team B, la team A qui va du coup prendre ce Horn qui aussi va lui permettre de prendre un avantage en late game. Parce qu'on va pas se mentir, avoir un Malphite en late game, Malphite Léon en late game, plus Yone, ouais, t'as gagné le teamfight, quoi, on va pas se mentir. Attends, ça veut dire qu'il voulait partir sur Malphite Yasuo, ça veut dire la game de les combos de Silver 4 qui partent, le Malphite Yasuo terrible. En tout cas, on va pas se mentir. Après le Varus va pas jouer. Enfin, Varus il se prend ulti Malphite, ulti Leona, ulti Yone, c'est terminé. Il peut prendre, il faut, ou alors il a 4 purges. Purge QSS et Bard qui prend un creuset de Mikael. Mais le problème c'est que bah La team A, oui, c'est inversé. La team A, elle est poke contre un Malphite Xin Zhao Leona. Tes dégâts sont vachement réduits. Ouais, bah surtout, enfin après la compo poke est forte et ça reçoit bien. En soi, Trundle ça reçoit bien, Ornn ça reçoit bien, mais le problème c'est que Ornn, Trundle, en fait, s'il y a un des deux carry qui meurt, c'est terminé. Je pense, enfin, si Xerath meurt, bah Varus ça a les dégâts que ça veut, mais il va se prendre tout le focus parce qu'on s'en fout de Ornn, Trundle. Pareil, si Varus meurt, Xerath il va se prendre la sauce de luxe, la sauce crémi de luxe du McDonald's. Non, je pense que là, la team A et la team B, pardon, est complètement en mode McDonald's. Et à mon avis, ça va être un revers du droit. Ça va être très très sad. Mais en tout cas, on va voir comment ils vont se débrouiller, cette team A. Puis de toute façon, si la team B gagne, ça le fait une troisième game. Tout le monde est content. En tout cas, le team fight non plus de l'équipe A est pas non plus si nul que ça. Hein. Il y a quand même un Horn. Bard pour recevoir. Bard, c'est très fort pour recevoir. Après, bon, l'ulti de Bard contre l'ulti de Malphite, t'as une petite différence de 80 frames, je pense. En tout cas, à voir ce que ça donne. Va falloir être vraiment pixel pour la team A. Et pour la team B, bah, va falloir press R et enjoy. Bon, quels sont tes pronostics, même si je pense que la team A a quand même clairement un déficit. Moi, mon avis, c'est la team B. Je pense que là, franchement, au niveau des drafts, j'ai un avis positif pour la team B. La team A va avoir quelques problèmes. Si ce Varus est au fond de la partie, on va manquer de dégâts. Parce que le Trundle va pas partir full. Oh, il pourrait partir full attack speed, mais il va pas le faire. Enfin, on va manquer de dégâts, je pense, si ce Varus est au fond. Et l'équipe B qui va juste pouvoir se focus sur ses combos assez rapidement. Donc, moi, l'équipe B dans mon cœur est celle qui va remporter cette partie. Enfin, remporter cette partie. Ah, elle va avoir un avantage. Et toi, qu'en penses-tu? Eh ben, écoute, moi, je suis de ton avis. Hein. Je pense que la team B va être extrêmement, extrêmement avantagée. Ils ont pris 3 TP. Ils vont jouer en team, en fait. Ils vont jouer paquet. Et moi, je les vois pas. Je les vois vraiment pas perdre. Ils ont 3 TP, ils vont jouer en team. Il y a un mec qui va se faire agresser. Tu vas te retrouver avec un gros caillou dans la tête. C'est terminé en fait. Enfin, là, en screen, normalement, après une draft comme ça, tu peux clairement open. Enfin, c'est ça en fait. Genre, vraiment, ils vont se faire détruire. Le problème, c'est que même si Varus est un peu feed, il va pas servir à grand chose. Hein. Alors que Dada, il nous dit qu'elle a parié sur Hugo, s'il perd, il est bench. Ah, terrible. Aïe, 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 aïe. Bon, en tout cas, on va partir sur une petite game qui va s'annoncer bagarre encore une fois, avec deux équipes qui ont un teamfight assez puissant, même s'il y a un petit avantage pour la team B. Est-ce que l'œil de Sauron va porter la poisse à la team B? En tout cas, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, l'early game, pour moi, est quand même légèrement à l'avantage de... Attends. Oui, c'est bon. J'ai presque eu peur, j'ai cru que c'était un Yone bot pendant un moment. Non, t'inquiète. Mais du coup, en early game, bah, Varus Bard, je pense, va avoir un léger avantage sur Ziggs Leona en termes de DPS. Après, à partir de level 3, c'est terminé, hein, c'est clair et net. Ce Varus qui va avoir beaucoup de mal si ce Bard roam beaucoup. Donc, Bard ne pourra pas avoir son potentiel de roam à 100%, je pense. Ce Varus va être très dépendant. Bon, Xerath contre Yone, bon, en early, il va pas au cas l'infini, mais bon, à partir du level 6, je pense que ça va être clairement une autre histoire. Je suis bien plus conquis par ce Xin Zhao que par ce Horn, que par ce Trundle. Juste Horn, normalement, détruit Malphite assez facilement. Donc, à voir ce que ça va donner. Maintenant, je pense que comme c'est Malphite qui va surtout engage avec son ult, c'est plutôt Horn qui va recevoir et du coup disengage avec l'ulti. Bon. Surtout... Ça va se passer, hein. Que normalement le Xin Zhao est censé trouver des opportunités de gank assez rapidement. Le personnage est fait pour ça.
C'est pas pour rien que c'est l'un des meilleurs jungles du moment. Il est facilement top 3 des jungles du moment, je pense. Surtout que tu peux faire des builds très des différents. Tu peux partir full regen, tu peux partir profondeur divin avec une fausse spectrale pour maximiser tes dégâts. Surtout dans cette game, par exemple, Xeo pourrait faire son mythique plus une fausse spectrale et comme ça aller chercher le Xerath élevé rapidement. Limite, il est one shot et on n'en parle plus. Bon, et ben la game qui ne va pas tarder à se lancer, mesdames et messieurs. C'est parti, c'est lancé, ça y est, bienvenue mesdames et messieurs dans ce deuxième affrontement entre Team A et Team B. Je rappelle que la Team A est la team de AT Fukuro qui se situe en red side et la Team B est en blue side, c'est difficile, c'est l'équipe de Blobfish. On va voir comment ça va se dérouler. On avait eu un petit invade qui nous avait fait craquer deux flashs. Cette fois, bon, pas de grab, donc je pense pas d'invade assez logiquement. En early game, je pense que... Non, mais en vrai, par contre, en early, avec le potentiel de poke qu'a la team A, je pense que c'est elle qui peut peut-être plus récupérer ses dragons. En tout cas, le dragon infernal, je pense qu'il faut absolument qu'il se focus dessus, parce qu'une team avec autant de poke et un dragon infernal, bah, on peut pas le négliger, ça c'est clair et net. Puis vraiment, prendre un burst boosté par les 4% du drake infernal, bon, ça c'est... On n'en a pas envie, même dans le cauchemar, on n'en a pas envie. Effectivement, je te rejoins là-dessus. Après, vu que c'est un dragon infernal, les deux équipes vont voir. Donc, on peut avoir un combat assez rapidement. Et un exhaust du côté de ce Xerath pour pallier aux engage du Lyonnais à partir du niveau 6. Pourquoi pas? Certains ont opté pour une barrière, d'autres pour un exhaust. Ouais, au niveau des, on l'a dit, au niveau des sums, 3 TP pour la team B contre forcément, hein, quand on prend autant de burst dans la gueule, on est obligé de supprimer la TP, de prendre cette purge, prendre cet exhaust pour répondre. Les topside, en tout cas pour les deux junglers, donc ça va sûrement se bagarre pour le Karap en bot lane, en tout cas blue et red. En early game, je pense que c'est quand même Xinzao hein, qui a l'avantage contre le Trundle. Hein. Alors, moi, je pense que c'est quand même le Trundle qui peut péter le Xinzao. Après, ça dépend beaucoup. Ouais, je pense que le Trundle avec le Press d'attaque, il va mettre beaucoup de dégâts d'un coup. Maintenant, faut voir, en fait, est-ce que le Xinzao aura suffisamment de sustain et va tenir suffisamment longtemps pour prendre le Conquérant et du coup prendre l'avantage au fur et à mesure? Ou est-ce que le burst du Trundle appuyé par le Press d'attaque sera suffisant, en fait? C'est surtout ça qui va faire la diff. Attention, le Trundle qui va arriver sur son bleu. On est en retard un peu du côté du Xiao, forcément. Trundle a pas fait ses corbins. Donc yes. il a fait loup bleu pour arriver au Karap avant ce Xiao. On avait peut-être l'information qui commençait top. Et du coup, on va jouer. C'est une technique un petit peu risquée parce que si l'adversaire se dirige directement sur le blue. Si l'adversaire se dirige pour counter jungle, bah l'adversaire est level 3 parce que bah lui il a fait ses loups, alors que bah si t'as pas fait tes corvins ni tes crocs, bah t'es level 2 et du coup tu peux perdre ton bleu et accessoirement perdre ta jungle parce que du coup tu perds le carap derrière et t'auras pas l'avantage sur le carap top. Bon, c'est un risque qui a été pris, en tout cas il est récompensé pour ce Trundle qui a l'air de se diriger vers la mid lane, le Yone qui va tranquillement reculer et on va prendre le red buff pour le Xinzao et du coup derrière conteste ce Carapateur. On va contester ce Carapateur, on peut le conteste, on a l'info, on sait que Trundle est là et du coup du côté de Doomzy, on a l'info que le Trundle est là, le Carap on va pas pouvoir le jouer, on va directement aller sur le Carap top et attention sur la top lane, le Horn est vachement avancé, donc si le Horn ne fait pas attention, le Xinzao peut faire Carapateur, into gank, premier sang et remettre ce Malphite bien dans la game parce que là le Malphite est un petit peu... attention mais parlons de Malphite, oh non 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 non. Oh, c'est terrible ce qui s'est passé, je pense que je sais pas si on l'a vu. Le Bard il avait raté son Q spell, je crois, de base. Du coup, le Ziggs a un peu flash pour rien. Il aurait pu clairement pas flash. Bon, je pense qu'il aurait dû flash dans tous les coups après le Pilar. Mais en tout cas, attention, attention, Ranim, parce que tu nous promets beaucoup de choses avec ce Bard. On en attend beaucoup et faut pas se rater comme ça. En tout cas, du coup, Doomzy qui va décider de ne pas prendre sur un gank. Horn il a su que sa team avait non seulement la prio bot. Enfin, il a su que la team adverse avait la prio bot et que du coup, forcément, Doomzy était parti sur le Carap top. Du coup, il a reculé. Il a clairement,
Et soit il t'a entendu, soit il est un petit peu malin. Et du coup, il a reculé. Et du coup, Doomzy va plutôt partir sur du counter jungle. Et ce Trundle qui va être en vrai retard d'XP. Hein. Il va être en vrai retard. Il est en retard XP, mais pour l'instant, il avait un item d'avance. Donc, enfin, il avait une brillance. Donc, si le Trundle voulait trade Tuxin, il aurait pu, je pense. Au moins l'empêcher de back en mettant un petit pied lard, faire perdre du temps. Et on a l'info sur le Trundle, on sait que c'est encore en main. Cocotarico a pris l'information grâce à cette ward au Corbin, une ward très essentielle en tant que midlaner. Attention par contre à ce Ziggs qui est vachement low sur cette botlane. Bah, attention à pas prendre la sauce. Attention, il y a beaucoup Ziggs, on l'avait dit, hein, Ziggs ça a beaucoup de poke, mais en early game, Varus c'est quand même du poke un peu plus impressionnant. Le Q-spell de Bard qui ne connectera pas. Une game qui s'annonce forcément plus calme parce qu'on a du poke d'un côté, on a de l'engage de l'autre. Donc à mon avis, avant 15 minutes de jeu, quand on aura le premier teamfight, ou peut-être finalement 10 minutes de jeu pour le teamfight du Drake, on verra si ça va se battre pour le Drake ou ça va pas les contester et jouer tranquillement safe. En tout cas, c'est une game qui s'annonce très très calme, une game un petit peu apaisée. Après ce Blitzcrank et ses 40 grabs au level 3, ça fait du bien de se reposer un petit peu. En tout cas, Fkolo qui a un avantage au farm assez conséquent, il a mis de la grosse pression, de toute façon, on l'avait dit. Hein. Le pic de Malphite, il a été pris pour la team, il a clairement pas été pris pour lui. Et du coup, bah, il se fait un peu rouler dessus contre Horn. Malphite très fort contre les AD, mais forcément contre des AP, ça pêche, surtout si c'est un AP aussi tanky qu'un Horn. Alors que Bard qui récupère peut-être ses carillons, peut-être qu'il veut attendre que Varus se fasse. Oui, je pense que c'est ça. Ils veulent laisser Varus se faire grab et ils veulent laisser. Voilà, c'est ce qui va se passer. Et du coup, Zubgala qui Carole notre Leona va laisser le premier kill. Je pense que du coup, Xin Zhao aura un petit peu de. À moins qu'il perde la raison, je pense pas qu'il va contester, quoique. Ok, il est réussi ce Lyonnais. Il a Nidlev qui a complètement avancé. Il a pris la sauce. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais Varus, où es-tu? Que fais-tu? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu. Fais comme l'oiseau. Mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Il y a un Malphite. Et oui, ah non, attention parce que oui, il y a eu la double TP. Il y a eu la double TP. Mais Zodiarch qui va voilà, prendre ce Z. Et du coup, ce Drake. Le Drake a reset. Ouais, il faut fuir. Aïe aïe aïe, bon, alors il faut décomposer cette action. Il y a eu Raninglef a très bien joué avec Svelte. Ils ont laissé le Varus être tout seul, pensant que Bard était parti récupérer ses carillons. Du coup, derrière, le Varus il s'est avancé. Leona s'est avancé, elle s'est fait punir. Sauf que derrière, il y a eu on l'avait dit, ça veut dire qu'en fait, si tu te fais, si la team B se fait agresser, il y a le Mossad qui débarque en hélicoptère, il y a eu 3 TP qui sont arrivés d'un coup, et bah du coup, forcément, la team B qui a récupéré l'ascendant derrière, sauf que bah, la team A, ils sont arrivés avec leur poke, et comme la team B n'a pas pu rentrer dedans, et bah du coup, c'est la team A qui aurait presque pu récupérer le Drake, mais avec le retour de cette Leona et la menace. Qu'est ce Yone, et bah finalement, 2 Drake pour personne, 2 kills partout, c'est plutôt even, mais du coup, forcément, avec le reset un peu plus tardif de la team A, c'est bel et bien la team B qui va profiter de cet Infernal Drake. Bon, c'est un teamfight un petit peu compliqué là qui s'est passé quand même. Hein. Ouais, c'était pas facile à suivre, mais du coup, ce Varus qui récupère 2 kills, donc ce Varus qui a un lead OCS, 26 d'avance, 2 kills en plus, il est extrêmement bien dans sa partie, il va pouvoir faire quelque chose au moins. En early mid game, mais c'est Xerath qui est un peu en retard au niveau CS aussi et qui a même un retard de back, donc ce Yone qui va pouvoir techniquement push la wave et faire perdre encore plus de CS à ce Xerath. Et du côté de c'est tout, c'est top lane, Malphite a récupéré un avantage au CS et on va vouloir jouer le héros, on va pouvoir le contester du côté de l'équipe. Oui, forcément, l'équipe B. Une fois que la team B a fait le dragon, on a envie de jouer cross map. Sauf que ce Xerath avait back, on a voulu faire un Elder sans prio mid lane, ce qui est une erreur qui est fatale, hein, c'est une erreur qu'on ne doit pas faire quand on arrive à ce niveau de jeu là. Et du coup, on va après cette festile le Drake parce qu'on n'avait pas la prio mid, on se festile l'Elder, enfin l'Herald parce qu'on n'avait pas la prio mid. Bon, attention quand même à ces prio, attention à cette macro, la macro c'est ce qui avait fait la différence lors de la première game. Attention à ne pas se prendre un revers de médaille. Bon. On a 2 kills sur Yone, 2 kills sur Xin Zhao et 3 kills sur Varus qui a récupéré 1 kill sur le Ziggs qui était laissé seul sur sa lane. On l'a puni le fait d'être seul. Et du coup, 2 kills sur le Xin et sur le Yone. Yone qui est extrêmement bien dans sa partie, qui va pouvoir prendre des trades comme ça sur le Xerath.
Ouais, les agressions du Yone, forcément, ça ne pardonne pas. Ouh, évidemment, là, qui va mettre qui met du bon poke. Ouais, en vrai, c'est une lane un peu chiante, on va pas se mentir, parce que forcément, dès que Yone va vouloir mettre une agression, il va être obligé d'y aller avec le Z pour gagner de la range. Du coup, il va mettre l'agression qui peut, Xerath va reculer, et dès qu'il sera de retour, bah, Xerath va pouvoir recommencer avec ses A à droite à gauche. Forcément, c'est un petit peu compliqué. Ah, du côté du Yone, on a l'ult, donc là, au prochain passage. Dans le monde spirituel, on va pouvoir ult, Q, mettre les marques et là ça devrait être une mort du Xerath. Mais attends, on voit que Xerath a une exhaust. Et attention, ult out du côté de Cocoterico pour s'échapper tranquillement. Heureusement qu'il avait son ult ce Yone, sinon c'était une mort. Ouais, heureusement pour lui. Après, il faut pas non plus qu'on condamne notamment hein, la team A, ils ont quand même du potentiel. Maintenant, voilà, il faut savoir bien se placer. Maintenant, enfin, Magic qui flash ulti, enfin, ça couvre 40 km. Bon, s'il faut faire le pari Dakar pour pas se prendre un combo du Malphite, forcément, ça va être compliqué. Le bon gank de la part de Svelte, bon, il n'aboutira pas malheureusement. Et attention, Running Glaive, il était en train de déward, il était en train de prendre la vision. Le petit portail vers sa jungle. On a l'info que le Xerath et le Trundle sont en mid lane. Du coup, on ne va pas prendre le risque de le follow dans son tunnel. Et attention, Varus, tu es bien seul, mon Varus. Non, c'est bon, le Bard est de retour. Attention, parce qu'on peut tenter une agression. Par contre, il faut faire gaffe parce que Doomzy est pas loin. Et en plus, Doomzy, il a un Herald. Et du coup, ça peut être un très, très bon... Oula, l'ulti qui est parti dans sa gauche. La purge, voilà, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, s'il y a un dernier CC qui part, ce sera la purge qui va partir. Du coup, ce Varus à la vie sauve. Mais l'Elder qui va pouvoir mettre une grosse pression. Attention, Ziggs, parce que c'est toi qui dois prendre cette tour avec ton Z. Et si tu meurs d'un A puissant de Varus... Et voilà. C'est là que c'est fort, Bard. Hein. C'était le pic qui a été conçu pour ça. Eh bah ouais, les Elders qui vont être totalement anéantis de la team B. Et ça va permettre à la team A bah, de survivre un petit peu en early game. Et Doomzy, voilà, on le voit. C'est... Bonjour, tu es derrière un mur, tu te prends midlife quand même. Et le Varus n'était même pas là. Hein. Et le Varus n'était même pas là. Du côté de l'équipe A, mm-hmm. Oui, on a quand même plus de vision, encore une fois, que l'équipe B. On avait en tout cas au moment où je regardais la carte, on avait plus de vision, notamment par exemple dans cette river top, on a la vision du côté de l'équipe A. Oui, vu que c'est inversé, je m'emmêle les pinceaux. Team A droite, team B gauche. Ouais, c'est ça. Du coup, bah on a quand même un peu moins de vision. Et du coup, Varus 3-0, Draktar. Non, franchement, il va être imposant. Après, s'il se prend une grosse agression de Malphite, Yone, Xin, c'est un peu ça le problème en fait. C'est le Varus, il peut être en 17-0, il va mettre des grosses, il va mettre des gros Q-spells. Maintenant, s'il a pas de flash, bah je pense qu'il va se faire one shot et du coup, bah il aura beau avoir autant de kills qu'il veut, il ne résistera pas en tout cas. Alors que le Horn avait un gros avantage de farm. Plutôt, le fait que Malphite n'est pas TP, ça lui a permis de prendre un edge conséquent en termes de farming. Et là, la vision qui va commencer à être deny par la team A, on n'a pas envie de se faire style un deuxième Drake. On a envie de les contester parce que s'il y a un burst qui tue à 80%, et bah avec forcément avec l'Elder, ça va être suffisant. Et kaboum, et tu l'avais dit, la Draktar. Oh non, oui, non, quand même, oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur, attention, parce que la TP, attention, mais elle est très très orgueilleuse cette TP de la part de Corentin. Oh, Capricorn, il est très très bon, agression, bluff, future, mais directement en ulti, ça va permettre au Yone de survivre et de mettre la grosse sauce ulti de Bard qui a tué 3 mouches. Svelte qui va se retrouver en plein milieu de la mêlée, il s'est fait bloquer par son propre pilar. Côté Kiron qui traverse le mur, qui va récupérer un autre kill. C'est une catastrophe. Et ce catch sur ce Xin Zhao qui partait tellement bien a fini en hécatombe. Bienvenue à l'enterrement. Yorick n'est pas dans cette game, mais c'est bien lui qui s'occupera de ramasser votre cadavre. Et Coco Tekiro qui va essayer de récupérer le kill sur round. On ne va pas le tower dive, évidemment. On n'est pas complètement fou, enfin, du moins suffisamment pour se faire bloquer par son propre pilar, mais enfin pas assez pour tower dive ce Horn. Bon, au final, comme le Xin Zhao s'est fait catch, là ça a permis à la team A de ne pas perdre un deuxième dragon. Par contre, ouais, c'est ce qu'on voit, hein. quand on se prend le burst de la team B, eh ben, on n'a plus de bouche, hein. Clairement, ils se sont fait casser les dents, mon cher Hiro. Et oui, la team B, elle a pris un mauvais fight, hein. En tout cas, la TP de Cocoterico, qui est arrivée en plein milieu, on a cru que c'était un petit peu fichu pour lui, mais non, il a pu ult, le Malphite qui avait TP sur la ward dans le bush bot, qui est venu mettre son ult lui aussi, un combo
somme toute assez simple à exécuter mais très très efficace. Le Yonnais qui récupère un triplé sur ça, c'est un Yonnais en 5-0. Et c'est un Yonnais qui est bien dans sa partie, qui va pouvoir découper l'équipe adverse. En tout cas, la team A qui a pu récupérer ce Drake et le bon ultimax range de Varus et forcément les pokes qui vont suffire à terminer la vie de ce Xinzao. Attention, ce Xinzao, il a pas envie de perdre tous ses objectifs de jungle. Il lutte à chaque fois. Les deux premières fois, ça a marché, mais enfin, cette fois, ça ne marchera pas deux fois de suite. On est sur un ratio de 2. Attention, il faut avoir sa team derrière. En tout cas, tu l'as dit, Yonnais 5-0, ça fait peur. Varus 4-1, ça fait peur. Enfin, moins quand on a un Malphite, par contre. Mais du coup, ouais, tu l'as dit, en fait, Yonnais, il est rentré dans le fight. Il était genre à je pense, une centaine d'HP de crever. Et Malphite est arrivé. Et derrière, la rotation de CC a permis qu'il survive et qu'il puisse mettre tous ses dégâts. Et là, avoir un Yonnais en 5-0, clairement, ça fait pas rire les mouettes. Au niveau de la top lane, voilà, c'est toujours un match de gros balourd. De gros balourd un peu lent avec un avantage de bien 32 creeps pour le Malphite. Et ce Horn dans ce teamfight qui a pas pu faire grand chose hein, finalement. Il est arrivé un peu après la guerre. Et on l'a vu, voilà. On parle du poke de la team. Oula, on parle de la team A, mais enfin. C'est de la team B, mais la team A on a aussi. Et voilà, le bon ulti. La rotation de CC encore une fois. Bon, on peut catch aussi. La team A peut catch aussi. Et trouver des petites agressions comme celle-là. Mais réponse, contre, l'équipe 4 B. L'aile de rang. Ouais, voilà, cross map forcément, on joue cross map. Ça permet à l'équipe, à notre équipe B de récupérer l'aile de rang cross map. Par contre, je pense que c'est pareil, hein. Ils s'en foutent, la team A, de perdre un. Enfin, la team A, ils s'en foutent complètement de perdre un elder parce que de toute façon, il y a ce Bard qui va mettre son ulti sur la tour. Alors, à moins de le craquer directement en top lane, il faut récupérer, attention. Atoll les opticiens, oui, il y a un gros œil devant toi. Attention. On va être vu par la pink du côté de Doozy. Oui, est-ce qu'on peut faire un truc pour ce Horn? Ils sont vus par la pink. Non, je pense qu'ils peuvent rien faire. Et de toute façon, ils sont vus par la pink. Donc, même si l'Elder est balancé en précipitation en se disant vite, il faut mettre l'Elder pour pas que Bard puisse ulti, c'est raté. Et voilà. Il a pas son descente tempérée. Ah oui, il l'a pas, tu as raison. Il l'a utilisé plutôt pour prendre le kill sur Zodiarch. On a lancé un héros pour entamer la tour, mais après franchement c'est pas un héros. T'as des héros qui peuvent prendre des fois deux tours. Là il prend quelques HP sur une T1 top. Bon, c'est pas l'utilisation optimale, mais enfin bon, ça fait toujours ses dégâts, ça gratte à droite à gauche. On l'a dit, c'est un peu une c'est Malphite Comet. Ah bah oui, hein, là c'est un Malphite bagarre, hein, c'est un Malphite caillou clairement. Mais en tout cas, il faut l'avouer, c'est une... Ah, et la petite pause. En tout cas, on l'a dit, deux équipes qui vont se regarder et c'est qui vont se poke à droite à gauche. Du coup, l'équipe A qui va poke, l'équipe B qui va reculer et qui va tranquillement derrière empaler la team A quand ils le pourront. Du coup, c'est vrai que c'est une game un petit peu... Voilà, on se regarde à droite à gauche. Tiens, tu vas toi hop. On regarde, droite à gauche. On recule et dès que les sauces sont balancées, on rentre dedans. Du coup, c'est une game qui est un peu plus passive. Mais du coup, je pense que la macro va, comme pour la première game, être très, très importante. Pour l'instant, un Drake partout. Deux Elders qui ont été récupérés par la team B, mais qui n'a pas pu, du coup, en profiter. Bon. En tout cas, pour l'instant, vu comment ça s'est dessiné au premier teamfight, j'ai l'impression que je vois toujours pas la team B perdre. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est compliqué. Mais en vrai, on n'a que le Lyonnais qui est vraiment très, très bien. On va pouvoir... Peut-être du côté de l'équipe A, stack de l'armure, de l'anti-heal, parce que Yonnais et Xin, qui sont les deux mieux dans l'équipe B, sont ceux qui se heal le plus. Donc un anti-heal à base de côté pineuse pour ce Trundle ou de Morello pour ce Xerath peuvent faire la différence. Ce Varus est bien aussi, donc il y a des réponses du côté de l'équipe A, hein, à pas sous-estimer. On a mis, du côté de l'équipe A, on a mis le Ziggs de l'équipe B au fond. En 0-3, donc on va peut-être manquer de dégâts AP du côté de l'équipe B, donc faut faire attention quand même, pas laisser ce Ziggs tomber et lui donner quelques ressources pour qu'il puisse revenir dans la partie, sinon on risque un peu de s'en mordre les doigts dans cette lancée du côté de l'équipe B. Ça c'est clair et net. Il faut je me suis entendu dire c'est clair et net. On est à ce niveau de fatigue. En tout cas, mesdames et messieurs,
ce, comme tu l'as dit, sur Nek et Feed. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être si fit que ça quand on a un teamfight aussi imposant? Moi, ce que, la question que j'ai en train de me poser, c'est ce Xin Zhao qui est toujours un petit peu plus avancé que son équipe. Il a toujours envie de défendre, mais j'ai l'impression que son équipe lui dit bon, frérot, c'est cool de défendre, mais là, je suis pas sûr qu'on le puisse. Et du coup, bon, bah, forcément, ça permet quand même à la team A, du coup, de récupérer le Drake quand même. Donc faut attention, hein. C'est bien cool de compter ses objectifs, mais enfin il faut jouer tous ensemble. La team B qui profite quand même de beaucoup de téléportations. Du coup on peut jouer en team, mais quand même il faut faire preuve de patience, faut attendre qu'ils arrivent. Il faut pas arriver commencer un fight tout seul, mourir et du coup voilà, on l'a vu. Mais finalement si il avait pas autant avancé, la team A aurait continué de faire le Drake et du coup il serait rentré à 5 et du coup ils auraient gagné le team fight. Xin Zhao serait resté en vie et du coup bah Xin Zhao il aurait quand même pu faire le Drake derrière et du coup il serait passé à 2 Drake à 0 plutôt que de la mourir tout seul. Du coup bah finalement la team B elle gagne le fight, mais qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Bah on a plus le jungler, bah on peut pas faire le Drake et on est coincé, et bah c'est dommage. Ah oui, c'est exactement ça. Et du coup, la partie est quand même serrée. On peut... Oui, c'est pas one-sided, mais ça correspond un peu à ce qu'on dit. Je veux dire, on reste en early game quand même. C'est normal que ce soit pas one-sided quand on a une compo poke aussi imposante. Maintenant, je pense que plus la game va avancer, plus ça va être compliqué. Maintenant, à voir comment sont réglés les teamfights. Si la team A arrive parfaitement à encaisser les teamfights et arrive à bien jouer, eh bah, du coup, derrière, c'est la fiesta bamboula et du coup, on a gagné. Mais bon... Il va falloir encaisser le Malphite, il faut encaisser un Xin, il faut encaisser un Yone, il faut encaisser un Ziggs. Bon, c'est difficile quand même. Ça fait beaucoup, hein, mais encore une fois. Il faut trouver la solution. Moi, personnellement, je ne la vois pas, mais peut-être que la team A arrivera à la voir et du coup, on partira sur un sec 2-0. Peut-être qu'on repartira pour une troisième game. En tout cas, c'est une petite pause. C'est une pause de 2 minutes. Normalement, ils nous ont dit, hein, les joueurs, ça prendra quelques minutes encore. Ok, non, on sera une petite pause un peu plus longue. En tout cas, au niveau des objectifs, on est sur une map. Une map quoi? J'ai pas eu le temps de voir. C'est une map montagne? C'est une map océan? Map montagne. Ouais, map des montagnes. Ouh, map des montagnes, ça peut être cool pour la team A pour pouvoir encaisser. Bah, en fait, c'est cool pour les deux teams parce que si la team A récupère cette soul des montagnes, bon. S'ils arrivent évidemment à tenir jusqu'ici, ça va être difficile, hein, on l'a vu avec le teamfight qui a été proposé déjà en premier temps par la team. Mais enfin, s'ils arrivent à récupérer cette salle de la montagne, ça peut leur permettre de mieux encaisser le burst de la team B et du coup potentiellement bah, pouvoir derrière mettre un retour de bâton avec pouvoir par un ulti du Horn, un bon ulti de Trundle sur le Malphite, le Varus qui s'est peut-être sauvé, remettre du poke. Et pareillement, pour la team B, s'ils arrivent à récupérer le dragon, de montagne et cette soul, bah ça peut leur permettre de prendre plus de poke parce qu'il faut savoir que le dragon des montagnes, on a un shield et une fois que ce shield il se fait casser, si on attend un petit peu sans prendre de dégâts, et ben on récupère ce shield. Du coup, ça peut nous permettre de prendre 1, 2, 3, peut-être 4 Q-spells de Xerath. On verra quand aussi, c'est sûr que si Xerath est overfed, bon, et on peut pas tank 5-6 000 Q de Xerath, enfin, ça peut permettre de tanker les petites agressions, les petits pokes et le siege potentiellement de la team A. Donc voilà, encore une fois, ça peut être bon pour les deux équipes, mais je suis toujours plus convaincu par la team B que par la team A. On verra bien ce que ça donne. Je pense que l'équipe A a quand même une solution. Je pense que leur draft quand même en numéro de travailler. Ils savent comment se sortir de ce genre de situation. Après, c'est sûr qu'on a quand même deux niveaux d'avance sur ce Yone par rapport à ce Xerath. Oui, clairement. Ça reste assez problématique, hein. Je pense qu'il y a un écart de gold en mid lane assez conséquent, mais ce Yone a une prime de 700 et dans une méta où on va jouer pour les shutdowns, ça peut aller très vite, hein, un équilibre, un équipe de gold qui peut partir très vite à l'avantage d'une ou de l'autre équipe. Voir s'ils vont arriver à tuer ce Yone une première fois. Après, beaucoup de pression sur Ranin Glyph, hein, parce que si Ranin il arrive à mettre un bon ulti de Bard, il peut séquencer le burst de la team B. C'est-à-dire que, imaginons, le Malphite y rentre, s'il arrive à toucher un bon ulti sur, Ziggs Yone ou Ziggs Xin ou même Ziggs Leona, bah, ça peut permettre de séquencer la phase de burst et du coup, bah, ça peut leur permettre de plus forcément encaisser et du coup, peut-être de reprendre le dessus. J'ai des doutes, mais enfin, on ne sait jamais, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a ulti de Malphite, ulti de Yone, ulti de Ziggs, ulti de Leona, et avec un Xin Zhao en plein milieu. Non, franchement, la draft, elle est très, très puissante, mais
Je ne demande qu'à me tromper, je ne demande qu'à ce que la team A me montre comment on fait pour contrer un aussi gros burst. En tout cas, en late game, on a Xerath Varus qui pourra mettre des gros Q-spells qui seront très très impressionnants, avec surtout le Horn Shop, qui est forcément un avantage conséquent en late game. On verra. On va savoir ce que ça donne une fois que cette pause sera terminée. En tout cas, au niveau du farm, on a 40 creeps d'avance pour le Malphite, on a 50 creeps d'avance pour le Yone, 30 creeps d'avance par contre forcément pour le Varus, forcément Ziggs en 0-2, bah, il y a eu un peu plus de difficultés, il s'est un peu pris tous les gangs du monde, du coup bah, ça lui est un petit peu fatal forcément derrière sur ce chiffre-là, mais du coup, autant de creeps de différence, ça permet à l'équipe B d'avoir 1 K-Gold 8 d'avance, donc presque 2 K-Gold d'avance à 16 minutes de jeu, c'est un avantage non négligeable, hein, évidemment. Après, comme tu l'as dit, 700 gold sur Yone. S'il meurt deux fois de suite et qu'il donne 1000 gold plus 500 gold à un Xerath ou à un Varus, ça peut toujours peut-être permettre à la team A de revenir. Ça, on va pas se mentir, tout est sur Varus. Là, actuellement, il a son flash et sa purge. Enfin, sa flash et sa purge. Bon, bah, il les a toutes les 5 minutes et 2 minutes 30, je crois, 3 minutes, je ne sais plus. Du coup, forcément, ouais, bah. C'est ça. On est un peu limité dans l'esquive. En tout cas, pour le prochain teamfight, on a le flash du Trundle, le flash et la purge du Varus, l'ignite du Bard qui est ici. Et au niveau de la team B, on a le flash sur le Ziggs. On aura bientôt le flash sur le Xin Zhao. Pareil, dans une minute, je dirais un peu plus d'une minute, on aura le flash également sur Malphite. Bon. Et ben, on demande qu'à ce que ça combatte. Au niveau des items, on a donc Morello qui a été pris par le Ziggs et non pas un Luden. Et du coup, il a pris une tire, donc une larme de la déesse. Est-ce que c'est un choix qui est populaire ou est-ce que c'est vraiment moi qui ne connais pas du tout comment se joue Ziggs? Oui, Liandry, justement, oui, Liandry, pardon, excuse-moi, oui. C'est le tourment de Liandry contre Etir. Parce que moi, j'aurais plus pris Luden et derrière, j'aurais pris genre directement peut-être un item défensif, genre un Zonia ou quoi, ou c'est vraiment le stuff qui se fait sur Ziggs ATM. Moi, je vois beaucoup du Liandry. Bah, t'es là pour poke. Qu'avec le Liandry, tu peux faire tomber la barre d'HP assez vite, tu peux grignoter des HP au fur et à mesure. Mm-hmm. Ça me choque pas vraiment le Liandry, hein. Pareil pour le Xerath, je m'attendais aussi à un Luden pour le Xerath, mais je comprends le pic du Liandry, on va essayer de faire fondre les barres de vie avant de trouver un potentiel engage ou avant un potentiel fight. Luden ou Liandry, ça dépend vraiment de l'état de la game et de l'équipe que tu vas avoir en face. Après, j'avoue, en vrai de vrai, là, le Varus, moi, je vois potentiellement une opportunité. Est-ce que si le Varus, il prend un manteau de la nuit, avec sa purge plus manteau de la nuit, est-ce que parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de CC, ulti de Malphite, plus ulti de Xin, peut-être ulti de Yone, ulti de Leona. En fait, il y a tellement de CC que même manteau de la nuit, allez, Zonia, purge, flash, ça sera peut-être même pas suffisant pour le sauver. C'est pour ça que j'avoue que j'ai pas trop d'espoir. Danaï, tu nous demandes qu'est-ce qu'on aurait pris comme draft, nous. Alors moi, j'avoue que personnellement, par rapport à comment la draft s'est déroulée, à partir du moment où... En fait, je pense que le pick de Horn, en tout cas, était très bien. Moi, c'est le pick que j'aurais fait. J'aurais pris un pick qui peut permettre de récupérer et en plus de donner un avantage en late game. Donc Horn, c'est parfait. Par contre, en réponse au Xin Zhao, je pense, j'aurais clairement pas pris Trundle. J'aurais plus pris un autre tank plus qu'un Bruiser. Je pense que Mundo, j'aime pas du tout parce que ça sert à rien, mais voilà, pourquoi pas Mundo, une Sejuani, ça peut être très très fort, ça peut permettre de lock quelqu'un en teamfight, donc tu peux supprimer, pourquoi pas un Utidione, tu peux supprimer un Ziggs, tu peux supprimer même une Leona et du coup empêcher CCC. Donc je pense que j'avoue que en réponse au Xin, j'aurais pas du tout pris Trundle, moi j'aurais plus pris genre soit une Sejuani, soit peut-être un Assassin pour chercher le Ziggs, et encore je sais même pas si ça aurait été très utile, mais j'aurais pris en tout cas, je pense, soit un tank, soit un assassin. Et Trundle, je n'aurais pas pris ça. Et clairement, Bard, je pense que c'est une très très bonne option. Maintenant, il y a toujours peut-être mieux. J'aurais pourquoi pas un 7 pour pile le Varus, un 7, un. Je sais pas, je dirais pas dire jusqu'à un Tahm Kench, mais ouais, ce genre de personnage-là. Et par contre, pour l'ADC,
J'aurais pris un ADC. Bon, évidemment, le Varus n'était pas encore au courant à ce moment-là qu'il allait se prendre à malfitionner Leona. Et je pense que dans tous les cas, j'aurais pas pris Varus. Moi, je suis toujours plus friand d'une Vayne, par exemple. Même si Vayne, c'est un petit peu faible en ce moment, en late game, c'est toujours fort. Kaisa, par exemple, ou Ezreal même. Ezreal, je pense. Ezreal aurait été très bien. Ezreal aurait été très, très bien. En tout cas, la game est repartie en régie. On peut passer à la suivante. Toi, t'aurais peut-être changé quoi dans cette draft? Peut-être le Xerath, j'aurais pris autre chose qu'un Xerath en ce moment, j'aurais peut-être pris un contrôle mage du style Orianna, Orianna ou peut-être... Ok. Parce qu'on a, des, on a donc des petits lags, mesdames et messieurs. Orianna, tu mets je sais pas, la boule sur le horn, ouais. Le horn va foncer, tu mets Shockwave, t'arrives à faire des trucs. Peut-être même une Leblanc pour chercher des one-shots, ouais. Un peu par-ci par-là. Parce que là, je suis pas très fan du Xerath. Là, tout de suite, je vois pas trop comment il peut se rendre utile à part Pook, mais on n'est pas. Même pourquoi pas, pourquoi pas un Akshan, hein, par exemple. Oui, mais moi j'aime le. Mais... Moi j'aime bien le. J'aime bien le. Je pense que Akshan se ferait facilement punir dans ce genre de partie. Après. Après, en parlant de punition, eh, dommage, t'aurais essayé, mon frérot. Désolé, gros pec, mais c'est pas tes pectoraux qui pourront te protéger du gros caillou. Et ou le Xerath Pog, et le Xerath Pog qui va quand même récupérer un kill sur la Leona. Et du coup, au final, c'est un 2 pour 2. Les deux botlanes sont mortes. On a tué le Ziggs, on focus le Ziggs. Hein. Bah après, j'ai envie de te dire, ce Varus est en 4-1, il est quand même un peu plus menaçant que ce Ziggs en 0-2. Maintenant, on l'a vu, le Yone qui a fait l'agression sur le Bard, derrière c'est Malphite qui a pu mettre un ulti cross map, Varus qui a passé la pire game de sa vie tant qu'il n'aura pas son manteau de la nuit, et même avec son manteau de la nuit, je pense que ce sera toujours pas si facile que ça. Bon. Et ben du coup, ça a quand même, je pense que c'est quand même worth it parce que c'est un 2 pour 2, mais la team B a quand même récupéré la tourelle. Bon, et ben c'est un Drake dans combien de temps? J'ai pas le timer, il est où le timer? Il est là. Drake dans 45 secondes. La vision qui est pour l'instant bel et bien pour la team B toujours, ils vont entrer, voilà, la team A qui va essayer de contester la prio en mid lane. Svelte qui met sa petite pink ward. Ouh, le Xinzao. Attention, petit Xinzao perdu. Oublie pas de mettre des cailloux parce qu'il va falloir que tu retrouves ton chemin. Parce que si tu te prends un petit stun de Varus, un petit stun de Bard, tu peux clairement te faire one shot. Il n'y a pas que la team B hein, qui a du gros burst. Et voilà, on va tranquillement aller jouer ce dragon. Ce dragon griffe dans 20 secondes. La vision qui est omniprésente et monopolisée par la team B. Ils savent qu'ils ont besoin de ces dragons. Ils ne veulent pas laisser la team A respirer en mid-game. Et du coup, on est sur une reprise de la priorité. Faut pas oublier qu'il y a... Ouh, l'attention, l'éruption solaire, l'ulti de Leona qui a failli toucher ce Bard. Heureusement, il a pu récupérer son tunnel. Et du coup, on perd un ulti quand même de Leona qui est un atout en teamfight. Qui, du coup, sans cet atout-là, on va un peu moins bien se débrouiller. Mais si on a de quoi faire derrière. Et ce Drake ne sera pas contesté. Ce sera donc un deuxième Drake pour notre équipe B qui creuse peu de tapis l'écart. Effectivement, et du coup, niveau stuff, ce Yone cassable l'infini. Et attention, alors, le Malphite. Je vais t'interrompre parce que Blobfish, attention, bon, il a quand même son ulti, il a un flash, il ne risque clairement pas de mourir. Par contre, il faut pas essayer d'économiser trop, il faut pas trop économiser, il faut pas enfin savoir. Et l'ulti qui va lancer sur la tour, mais qu'est-ce que tu fais là, Fukuro? Qu'est-ce que tu fais là, Fukuro? Mais Leona qui, avec l'Ignite plus l'ulti de Xerath, va permettre de récupérer quand même le ki sur le Malphite. Mais Fukuro qui s'était un petit peu trop avancé sous la tour. Attention, parce qu'il y a une deuxième agression, l'agression en deux temps. Le très bon ulti de la part de Yone qui va être mis derrière. Mais qu'est-ce que c'était que ça? C'est pas possible. Oh, cette agression très très bien timée. Le Xinzao et le Yone qui sont rentrés dans le fight. Oh, comme dans un casino à Dallas, et ça leur a permis de récupérer les kills. L'agression de temps qui avait pourtant été très très bien jouée, on voyait pas comment il s'en sortait, mais le Yone qui est en 8-0 désormais. Et du coup, ça va permettre à la team B de récupérer peut-être un super early Nash. Les teamfights sont one-sided, hein, mon cher Hiro. Oui, on est en retard du côté de l'équipe A. Le Yone qui va trade, il va one shot, il va complètement le one shot, il est en 9-0, il est en solo queue, full smurfing. L'appel de la forge, l'ulti de Horn ne sera pas suffisant, le smite est confirmé malgré la petite pink ward qui avait été déposée.
Et du coup, on est sur un Nashor à 20 minutes de jeu. Et la game va s'accélérer. Hein. Là, on va essayer de prendre petit à petit les objectifs, gratter petit à petit. Ça va être quoi, là, le plan de jeu pour l'équipe B pour essayer de terminer le plus vite possible? Je pense prendre un teamfight, exploser le teamfight, exploser les tours, exploser le Nexus. Bien écoute, si c'est comme ça qu'on m'avait défini League of Legends, je pense que je ne serais pas resté gold plus d'une saison en tout cas. 20 minutes de jeu, 5k gold.5 de différence pour la team B. Mesdames et messieurs, on est sur une différence de PIB très très puissante. Après, ne t'en fais pas, tous les casters sont gold, hein, c'est vraiment une règle. Ah non, ça va, moi je suis plus gold, ça y est. Oh la chance. T'es silver du coup. Non, non, je crois que si j'ai mon compte, je dois avoir mon compte support qui est encore gold, je crois. J'ai pas rejoué dessus depuis. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ma vie, on est là plutôt pour parler du match. Ça, on va chercher gold. L'agression. Cherche voilà. L'agression du côté de l'équipe B. On veut finir la partie. On se regarde à droite, à gauche. Voilà, on va reculer. Hein. En fait, la team A n'a pas le choix que de reculer. Blobfish qui, lui, va poke la petite tourelle. Il va prendre quelques points de vie à droite, à gauche. Forcément, il a les Crypt Nashor qui l'aident. Et on l'a vu, hein. Les Crypt. Oula, oula, Svelte. Oh, Svelte. Ne sors pas. Ne sors pas. Ne sors pas d'ici. Reste caché dans ton buisson. Petit troll, reste caché, ne sors pas. Attention à ça. Parce que là, il y avait un coup à droite de Corentin. Et là, je pense que le troll allait tranquillement rejoindre Papa Johnny. Et la Pink Ward qui va, je pense, être récupérée petit à petit par un ulti. C'est quoi? C'est un ulti du Xerath. Oh, attention, Zodiarch qui va récupérer la sauce. Et l'ulti Max Renjo. Oh, Katniss Everdeen, Gropek et son arc qui vont récupérer à Max Range. Le Ziggs qui se prend la sauce depuis le début pour l'instant. Blobfish, non, il va tranquillement voler un peu de Moonspeed à ce Trundle et du coup pouvoir s'en sortir de l'agression de Fkolo sur Doomzy qui va continuer le saut petit à petit. L'ulti du Xitao qui va lui permettre une disengage complètement broken. Et du coup, ça va leur permettre de continuer de poke petit à petit. On a les petits Crypt Nashor. Petit à petit, voilà, petit à petit. En tout cas, bon, Zodiarch, il prend la sauce. C'est difficile pour lui, cette game, n'est-ce pas, Hiro? C'est compliqué pour ce Ziggs qui se fait un peu malmener. Hein. On a vu Uldoxerat plus Flash Max Range du Varus. Ça fait mal. Et en tant que Ziggs, si t'as pas de Zonia, tu es mort. Donc, il se fait malmener. Mais c'est son travail de Ziggs. Tu es peut-être en 0-6. Mais on veut juste que tu mettes des aides autour pour les détruire le plus vite possible. Et bientôt le dragon qui va spawn et on va du coup pour l'équipe B récupérer ce dragon tranquillement et pour l'équipe A essayer peut-être de récupérer des ressources par-ci par-là. Il nous faut le niveau 15 sur ce horn au moins pour qu'il commence à tanker et à pouvoir créer des items sur ses alliés. Et en tant que horn, dès que tu as ton niveau 14, là je vois pas quel mate tu préfères choisir en premier pour maxer l'item, peut-être le Varus. Peut-être le Varus, le Xerath, on l'a vu avec ses ultis, c'est surtout lui qui allait récupérer pour l'instant les kills et le poke. Surtout que ce Varus, comme il est déjà en 6-3, je pense que c'est plus lui qui va se faire focus. Donc moi j'avoue, si j'étais Horn, je le donnerais plus au Xerath. Allez, la vision qui va tenter d'être récupérée par le Strandall. Mais... voilà, on n'était pas sur la map, mais directement l'ulti du Yone qui a fait vraiment un dégât. Levi d'avant qui, heureusement, ne va pas se faire one-shot par le Yone qui a un petit peu malheureusement diversifié son focus. En tout cas, je ne pense pas que Svelte suivira de ça. De toute façon, l'Ignite va le régler. La pizza de la part du Malphite qui va le suivre jusqu'au bout de la falaise. Et forcément, il tombe. Bon. Doomzy et Svelte, deux junglers sont morts, mais je pense que l'avantage de 5kgold.5 d'avance de la team B va leur permettre de récupérer ce Drake. Attention quand même, hein, non c'est bon, la team A ne va pas le contest. Et ça va être un troisième dragon récupéré par la team B. Et du coup, on aura la Soul Pressure au prochain Drake. Et du coup, ça peut potentiellement bifurquer sur un âge, bifurquer sur quelque chose. Le car se creuse petit à petit. Et là, on a non seulement rayonné en 9-0, on l'a pas tué une fois. Et là, il a un ange gardien en plus, donc les chances de récupérer la prime et de au moins tuer ce rayonné se raréfient. Ça va être très compliqué, on n'avait pas les castés avant, là on a un ange gardien en plus. Tuer ce rayonné semble un peu compliqué, voire quasiment impossible du côté de l'équipe A. À voir s'ils vont peut-être trouver une solution qui m'étonnerait beaucoup. Hein, pour chercher ce rayonné, il faut passer outre le Malphite. Outre l'éruption solaire de la Léona, et surtout, on doit passer. En vrai, c'est Yone, hein, mais même s'il est tout seul, on l'a vu. Hein, là, il est rentré tout seul dans la mêlée, ils étaient trois en face et il les a tous découpés.
Surtout, oui, bien vu. Hein, avec si le Yone a son ult, en plus, c'est impossible de chercher. Et même si on va à 3 sur lui, qui. Allez, si on va, pardon. Si on va sur ce Yone à 3 et qu'il a encore son ult, c'est un triplé pour ce Yone à l'heure actuelle de la game. Il y a moyen, c'est vrai qu'il est en 9-0, il est complètement feed. Après, surtout, on l'a vu en fait, il grid vraiment jamais, il agresse toujours avec son E. Son E, en plus de lui permettre d'avoir un burst un peu à l'image de l'ulti de Z, hein. Je sais pas si vous connaissez vraiment Yone, mais voilà, ça marche un petit peu comme ça. Ça lui permet en plus de se repositionner direct. Si jamais il voit que l'agression était un petit peu ballsy, excusez-moi. Si l'agression était un petit peu ballsy, bah, il peut de toute manière reculer. Donc là, clairement, c'est une épée de Damoclès permanente. Qui plane sur la tête des coéquipiers de Fkuro. Fkuro qui a pris de grâce d'ailleurs. Moi je prends toujours chapitre perdu avec. Enfin, je prends toujours le grimoire, comme on dit. La livre de magie, comme on dit à Québec. De Fkuro. Et Rengleave qui va conteste la vision, Doomzy qui va enlever la petite barre, voilà, c'est des phases comme ça, voilà, bienvenue dans League of Legends saison 11, des petites phases où on est, voilà, grosse agression, t'es un petit peu tout seul, mais le petit Yone directement qui va permettre de one-shot ce Xerath qui était complètement out of pose, qu'est-ce que tu fais là, mon dieu, et attention, voilà, Fukulo qui va se prendre l'ulti de Bard comme protection, Doomzy ne se fera pas stun, l'ulti, attention, non, il a repoussé Fukulo sur la plante, et du coup, Rengleave l'attendait patiemment, et ça lui a permis de survivre. Ah, il faut pas être out of pause. Et la petite pause qui nous permet de juste revenir rapidement sur ce team fight. En fait, il a été out of pause. Blobfish, il a pas hésité. Il a directement mis son ulti. Yone qui a du coup pu suivre directement parce que les CC sont très très longs. Ça leur a permis de complètement one-shot ce Xerath. Et forcément, on perd un carré sur deux. C'est beaucoup plus difficile. C'est bon. La pause est terminée et on s'oriente sur un deuxième baron Nashor pour la team B. Ah non, on va pas le faire finalement. Alors que voilà, c'est toujours les petits bugs, il y a une pause. Voilà, on remercie la régie pour les services. Il fait un taf exceptionnel, notre Tic Rose. Il fait de son mieux parce qu'avoir autant de pauses, j'avoue que c'est un peu difficile. Si ça y est, on est parti, on l'a entamé, ce Baron Nashor Blobfish qui est passé à côté de la ward de vision en ayant un petit peu rien à foutre. Mais on est bon côté Kilo qui a Coco Terico, pardon, Corentin qui a récupéré encore un kill, 10-0-3. Il est en full smurfing. Dieu que c'est beau, Dieu que c'est difficile. La vision qui va être contestée par la team A. Bon. Attention, bon, bah, comment on fait là maintenant? Comment on fait, mon cher héros? Je ne sais pas. Ouais, je n'ai pas la solution non plus. Mais attends, l'équipe B a back là. L'équipe A, elle vient d'arriver. Ce Malphite est tout seul. Est-ce qu'on peut trouver un catch sur ce Malphite? Ce caillou, il est out of pose, ce petit caillou. Il faut que tu retournes dans ta forêt de cailloux avec ta famille de cailloux et avec tous tes cailloux. Il va qui va rater un petit peu son ulti. Ça y est, il s'est fait toucher par le Xerath. Il ne pourra pas s'en sortir exécuter l'ulti. Oula, mais non, j'en suis pas. Oui, quand même, j'allais dire l'ulti. Plus la pizza, ça lui a permis d'avoir un petit bout de mousse speed. Mais non, c'est bon, Svelte. On a pris pour lui, du coup. Bon, attention quand même à pas trop commettre d'erreurs. C'est vrai que si Smalfit est absent, bah là, forcément, le burst de la team B, il est un petit peu moins conséquent. Maintenant, voilà, on va pas se mentir. Corentin, il est toujours en 10-0. Il est toujours overfeed. Il va prendre un. 0 et. Un Wit's End, du coup. Au bout du rouleau, ouais. Le Wit's End, évidemment, je n'ai pas. Excuse-moi, j'ai du mal à. j'ai du mal avec les noms en français, mais j'essaie de faire comme je peux. En tout cas, on a. Est-ce qu'on a craqué des flashs? Non, on a tous les flashs, du moins presque. Celui de Lévi d'avant va revenir dans pas longtemps pour l'équipe A. On a tous les flashs, sauf celui de Malphite pour l'équipe B. Et du coup, on va aller contester la vision pour l'équipe A. Pour l'équipe B. Alors, faut acheter des pink wards par contre. Alors, c'est un item qui est un petit peu pratique. C'est des pink wards, ça enlève la vision. Et ça permet de pas avoir à retirer les wards. Parce qu'en fait, si vous posez une pink ward et que vous n'attaquez pas la ward dont la vision est annulée,
Et bah, du coup, vous ne donnez pas la vision à l'adversaire. Et du coup, c'est des fois mieux de juste mettre une pink ward. Vous pouvez mettre, laisser 4 wards dans le pit du nage. De toute façon, ils n'ont pas la vision. Et du coup, ils ne peuvent jamais savoir si vous faites le nage ou non. Parce que si vous enlevez la ward, et bah, il y a un petit laps d'instant où du coup, la ward en mourant donne la vision aux adversaires. Et du coup, si vous enlevez une ward alors qu'il y a une pink ward, bah, en fait, c'est pas possible. Parce que finalement, vous donnez la vision et vous donnez l'information que vous êtes là. En tout cas, c'est plutôt la Saul davantage que le Nash qui va être contesté. La team A qui est directement sur les starting blocks, elle a envie de le faire le plus vite possible. Mais la team A, la team B pardon, qui arrive avec tout son burst, ils ont absolument tout. Et là la team A qui court à l'aide, aidez-moi au secours. Ils ne peuvent rien faire, ils sont obligés de reculer. Ils savent qu'ils ont rien à faire. Doomzik a pris par contre un très très bien Q-spell de la part du Varus. Alors comment on fait ? Attention Carole qui est un petit peu avancé, ça me permet de sortir. Attention la première version de Cocoterico qui va permettre de gratter quelques HP sur ce front de petit de barde. Mais il n'y a rien à faire. Regardez Blob Shield, regardez Blob Fish, il est en 1v4, il en a rien à foutre. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Corentin ? Qu'est-ce que tu fais ? Corentin, qu'est-ce que Doomzik a live la game ? Ça n'a aucun putain de sens. Corentin qui va essayer de grappiner autant qu'il peut. Son GA lui a permis de prendre beaucoup de temps, de gagner autant de temps qu'il a pu. Mais malheureusement, ça ne lui a pas permis l'agression qui était ballsy. Voilà, la pause forcément avec Doomzik qui a eu une déco. Je ne sais pas si ça a été. Bah, ça a un peu impacté Teamfight. On va pas se mentir, il n'a pas pu rentrer les aider. Est-ce que c'est vraiment je crois, quelque chose qui. Bah, en fait, il a déco, il aurait pu flash in. Tu vois, il aurait pu flash in, EA, venir disperser. T'as vu le temps qu'il a gagné, Corentin. Je pense qu'il aurait pu rentrer dans le fight, mettre une bonne disengage et du coup permettre à pourquoi pas Coco à Corentin de sustain avec son comment il s'appelle en français l'item mythique l'arc bouclier ou la lame bouclier l'arc bouclier si l'arc tu parles bouclier. Du okay. Tu immortal shield bow en anglais donc ouais l'arc bouclier immortel c'est ça mais du coup l'internet qui a été arraché ouais c'est possible bon j'espère que ça n'aura pas trop d'impact quand même sur la game de la team B mais en tout cas c'est la team A qui va récupérer ce dragon. Le fight était un petit peu mal engagé en fait encore une fois Blobfish il a engage très très tôt mais le problème c'est qu'il a un peu plus de range que ce Yone et du coup Yone il a ulti sauf qu'il a touché absolument personne avec son ulti. Et du coup, bah derrière, il avait absolument plus rien. Blobfish était déjà, avait déjà pris tarif au moment de l'agression, même s'il a réussi à hold la team B, oui, en 1v3. Non, la team A, oui. Pardon. Il était au milieu de la team A en 1v3 au niveau de leur carry. Il a réussi à regarder les gros dégâts qu'il avait mis à gros pec. Le problème, c'est qu'il était tout seul. L'ulti Dionne n'a pas eu le temps de reach les adversaires. Et du coup, bah, au final, le team fight, il a été remporté par la team B. Ah pardon, je vais y arriver. Mais le Malphite a beaucoup tanké avec notamment son élixir de fer, acheté très tôt dans la partie. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent, hein. On prend l'élixir qui nous correspond, élixir de fer pour les tanks, sorcellerie ou de rage pour les carry, pour jouer des objectifs finaux, donc par exemple l'âme, ou un Ashor, ou un dernier fight. C'est un investissement qu'on prend, et on espère... qu'on ne le fait pas pour rien parce que c'est quand même 500 gold et 500 gold c'est quand même assez énorme. Ouais, on va pas se mentir, c'est un investissement pour l'avenir, c'est un tarif, on négocie avec les rentiers. En tout cas, Corentin qui malheureusement concède sa première mort et du coup, faut pas oublier que ça impacte forcément les golds de la team B. Qui du coup se retrouve avec un retard qui était de 5k gold et du coup un retard qui maintenant n'est plus que de 4k gold. Ils ont récupéré 1000 gold sur sa tête. Je sais pas qui a récupéré le kill. Je pense que c'est Trundle. Je crois que c'est Trundle qui a récupéré le kill. Et c'est lui qui l'a follow. Et du coup, en tout cas, cette game, malheureusement, voilà, un peu séquencée par les pauses, mais aussi un peu séquencée lors du teamfight. You have one job. La team A, c'est de mettre le burst tout d'un coup. Malheureusement, là, c'est un petit peu séquencé. Il faut, je pense, plus s'écouter. Parce que ce Malphite, en fait, dès qu'il voit une erreur de placement, il ulti, il y va direct. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas forcément le temps de le suivre. Et du coup, ça séquence un peu le burst. Du coup, ça permet à la team A, de respirer un petit peu plus. Et du coup, ça leur a permis notamment de survivre pour ce fight. Et Corentin, du coup, qui s'est un petit peu fait bête par son Malphite. En tout cas, pour le prochain fight, les 3 TP sont up. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas faire un Ashor après ce Drake, je pense. Malgré les 47 secondes sur Corentin. Ah, 47 secondes quand même, on peut peut-être. Hein. Après, ils ont récupéré beaucoup de gold pendant ce teamfight. Je pense qu'ils doivent mieux back et reset pour récupérer la vie. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, la team A ne peut pas faire le Nash sans Corentin.
Donc là, Team B n'est pas obligé de le faire, je pense. C'est vrai, et je regarde l'itemisation de ce Varus, et je vois un Serpent Fang, parce que c'est crochet serpent en, ouais. en français, je crois. Ouais. Et du coup, ça permet de réduire et de casser les shields que les gens ont sur eux. C'est très efficace contre ce Yone, hein, qui a beaucoup de shields grâce à ses régènes et à ses runes. Et du coup, ça permet de le tuer plus facilement. Et je crois que ça sert que dans cette situation, il me semble. En fait, ça bousille les shields, donc ça bousille le shield de l'immortal Shield Bow de notre ami Yone. Ça bousille aussi le shield de du putain, je vais pas y arriver, je vais pas le trouver, du Sterak, gage de Sterak, voilà, c'est ça, du gage de Sterak de Xin Zhao. Le shield du Malphite aussi. Donc c'est un outil qui est plutôt cool en vrai, qui est plutôt utile. Alors par contre, juste la Leona, elle a pris l'item chaîne de l'anathème, ouais. Quelque chose que beaucoup de Leona font, j'ai l'impression. Tu vois qu'une Leona, je vois une Leona jouer, elle fait cet item. Mm-hmm. Et après, c'est dommage, est-ce qu'on peut voir sur qui elle l'a mis ou pas du tout? Je pense pas. Parce que du coup, le chaîne d'item, pour ceux qui ne connaissent pas, ça réduit les dégâts que. Elle l'a mis sur le Varus. Ouais, ok, elle l'a mis sur le Varus. Oui. Logique. Du coup, ça réduit les dégâts que le Varus va te mettre. Et tu peux réafficher l'item, s'il te plaît. Merci. voilà, du coup, ça réduit les dégâts que le Varus va nous mettre. Et ça réduit la ténacité aussi de la cible. Donc, c'est extrêmement fort. Hein. Du coup, je comprends mieux pourquoi les Leona le font. Tenona, forcément, c'est ta cible à moins de ténacité, tu le cessais plus longtemps. Donc, c'est un thème très intéressant. Mais c'est vraiment un nouvel thème qui est vraiment intéressant pour le coup. Plus que le Briscoq. Le Briscoq, je vois tellement. C'est un item que j'aurais plus vu sur Malphite, hein, moi par exemple. Tu utilises Malphite, hop, tu mets ton item, tu mets l'ulti, et puis c'est parti. Hein. Ouais, c'est pas faux, mais les chaînes d'items ça donne aussi beaucoup d'HP et du coup pour une Leona c'est pas mal, enfin tu cherches souvent ça avec Leona d'avoir un maximum d'HP, t'as une tankiness de base assez énorme avec ton Z que tu max généralement. Ok, faut qu'on nous informe à la régie que la game ne soit... Donc soit la game ne reprend pas, soit la game reprend à 4, à savoir si l'équipe B a envie de jouer à 4 ou pas. C'est surtout ça la question. Aïe, les imprévus malheureusement, je pense que en vrai de vrai... Corentin déçu et choqué. Surtout que c'est qui a un problème? C'est Doomzy. C'est Doomzy. Ouais, ce que j'allais dire, c'est vrai, c'est lui qui a live pendant le fight malheureusement, ouais, donc forcément. Ouais, je pense que en vrai... C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'ils avaient du potentiel. C'est eux qui avaient quand même le plus de chances de win, on va pas se mentir. Même si là, le teamfight a été remporté par la team A. Je pense que c'est même la team B qui a le plus de chances de gagner. Maintenant, pareil, je suis persuadé que ce teamfight, il se serait déroulé différemment si Doomzy avait pas ulti. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est les aléas du direct, ça arrive. Des fois, en scrim, on a ce genre de problème. En tout cas, j'avais pas vu, je sais pas si tu vois sur l'écran, mais Carole, elle a back dans le push à côté. Ah oui. Ouais, la catastrophe. Oh, mais regarde, l'évidemment qui en plus est en ulti. Donc malheureusement, il l'a pas vu, il a ulti le Nashor, il a pas vu la Leona, c'est dommage. Ça aurait pu être un deuxième kill. C'est une réaction qu'il y a eu dans le chat, c'est qui a eu l'interruption sur le Yone? J'ai réfléchi, je crois que c'est le Trundle. C'est lui qui l'a chase. Ouais, c'est... Ouais, de base, Trundle s'est fait chase une première fois par Yone, et puis du coup, il a inversé le chase, et c'est lui cette fois qui est allé. Du coup, est-ce que tu as l'information en régie, si la game reprend pas? D'accord, donc la game ne reprend pas. Donc, est-ce que ce serait pas donc une fin de tournage pour nous? C'est possible? C'est d'accord, c'est bien reçu. Donc à la région, on nous informe que pour aujourd'hui, c'est la fin. Ouais. Les plombs ont été plus forts que League of Legends.
Mesdames et messieurs, comme le disait mon grand-père, tu sais, je suis un homme fort qui a vécu la guerre, mais bon, si tu me débranches, ça va être difficile. Bah, c'est un peu pareil avec League of Legends, mesdames et messieurs. Si on débranche, bah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'écran, il n'y a plus de PC. On fait comment après? Bah, oui, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant. On fait marcher quoi? On fait marcher avec des piles? Non, en tout cas. Bon, GG aux joueurs, ils nous ont montré quand même un beau spectacle. J'ai particulièrement aimé cette deuxième game parce que bon, c'était un petit peu difficile, vous savez, de regarder une game où ça se regarde un petit peu et ça attend vraiment les teamfights pour se jouer, où du coup, c'est que des petits duels de vision. Et du coup, pendant 20 minutes, j'enlève ta ward. Ah, tu l'armée? Bah, moi, j'ai un brouilleur. Bah, moi, j'avais une pink. Tiens, QQQ comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu plus difficile, surtout que c'était un petit peu Xerath et Varus qui balançaient leur sort. Il fallait attendre la grosse engage de Malphite pour avoir un vrai combat. Mais enfin, du coup, c'était un match-up un peu plus important qui se jouait un peu plus sur la macro, un peu plus sur le decision-making, un peu plus sur la communication teamfight. On l'a vu avec la petite erreur du Malphite qui engage un peu trop tôt et qui n'a pas pu se faire suivre. Et du coup, qui a coûté un petit peu la win en teamfight à la team B, si on occulte évidemment cette déconnexion de ce Xin Zhao. Mesdames et messieurs, oui. Quand vous voulez être un joueur de League of Legends, bah, il ne faut pas habiter à Levrette-sur-Yvonne, à Jean-Tonin-les-Bains ou à tous ces bleds avec des noms à rallonge, avec 44 tirets où malheureusement la fibre passe par une chèvre qui mange de l'herbe et du coup ça alimente la centrale électrique. Je vous aime évidemment tous les gens qui habitent à la campagne. Mais enfin bon, malheureusement, ce petit incident ne n'aura pas gâché le spectacle que nous ont donné les deux équipes. Moi, j'ai vraiment apprécié aussi être accompagné de notre cher Hiro et de sa photo. Regardez, hop, je lui mets des petits pouces en l'air comme ça. Il était à côté de moi. Je me trompais de sens en plus. Il est là. Regardez, il est j'espère que ça t'a apprécié aussi ce cas. C'était du beau spectacle quand même. Ah oui, c'était j'ai vraiment adoré. Hein. C'était, on a vu des choses. D'ailleurs, j'ai appris un truc, c'est que Corentin ne s'appelle pas Corentin. On nous a menti. Eh ben écoute, c'est un petit peu cringe. Enfin, c'est un petit peu sad en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'amusent à inventer des prénoms. Eh ben écoute, ouais, parce que peut-être qu'il s'est dit Coco, Corentin, c'est possible. J'aurais dû l'appeler Coco depuis le début. Oui, c'est ce que. Après, en vrai, si tu veux le quitter, je pense que c'est mort, Coco, tu vois. D'ailleurs, là, on le voit dans le chat, Coco ne répond plus. Bon, la petite référence, évidemment, vous l'aurez noté à Francis Cabrel, c'est faux. Bon. Du coup, bah, on l'a vu quand même, ça a été deux duels aussi et deux drafts. Hein. Les drafts ont été très très importants. Je pense que les deux personnes qui ont remporté la draft auraient remporté la game anyway. Donc il faut faire attention à ça. C'est vrai que c'est là aussi le boulot des coachs. Donc on remercie le coach de l'équipe alors, qui a été coaché. Alors que je relise son pseudo histoire que je ne me fourvoie point. Il s'agit de. Je remonte, hop, le coach était Asuna, voilà, c'est Asuna le coach, et on remercie évidemment la régie Tic Rose, le régisseur fou, celui de, qu'on n'arrête pas, qui nous fait aller sur des outils tels que Parsec, qui connaît déjà les applications du futur. Désolé à Coco de t'avoir appelé Corentin pendant 35 minutes de live. Alors que c'est pas du tout ton prénom. Et bien, est-ce qu'on laisserait pas. Je te laisse le mot de la fin. Je sais pas si Tic Rose, en tout cas, c'était un bah, Est-ce que la régie peut intervenir pour la fin, finalement? Ouais, c'est la question. Ok, on va quitter le live du coup. En tout cas, moi, ça a été. Ce sera mon. Ok, bah du coup, avant de te donner la parole, moi, ça a été ma seule petite intervention pour ce petit Summer Camp. En tout cas, c'était vachement cool. Je regarderai clairement, même si je serai dans ma petite chambre d'hôtel comme ça, je vous regarderai comme ça. Oh, je vais travailler de mon côté. Je travaille en même temps, mais je vous regarderai aussi à droite à gauche. Ah, oh, ça c'est Coco. C'est vrai qu'il s'appelle pas Corentin, mais pourquoi tu me parles? Je te connais pas. Bref, on s'en fout. La deuxième session, c'est le 5 août à 20h. Soyez là. Soit je là, serai là. Oui. Je serai en cast le 5 août. En plus, vous aurez encore un caster séduisant. Vous en avez de la chance. Vous en avez de la chance. Ce sera du coup le 5 août. Ce sera en même temps que les playoffs de LFL, je crois. Non, les playoffs de LFL, c'est à 18h. Du coup, ce sera après. Bah voilà. Juste, vous avez fini la LFL. Vous aurez fini le petit Soul Misfits LDLC, Soul Misfits Solari. Hop, et ben on repart sur Pichot. Je mange mon petit quinoa devant Pichot, je sais pas ce que vous faites. On fait ce qu'on peut. Et puis Tic Rose, je te laisse. C'est ça, exactement. Du coup, bah,
T'as un peu spoilé ce que j'allais dire, mais effectivement, pour la prochaine session, donc mes chers, chers viewers, ce sera donc le 5 août à 20h. Ce sera casté donc par Hiro Haru et également par, par Nico, un autre caster. Et surtout, alors là, quand j'ai vu cette info-là, je n'y ai pas cru mes yeux, surtout soyez là, car c'est notre cher Dadaï National qui sera à la régie pour la prochaine session. Oh yes, let's go. Maintenant on va pouvoir tellement être cringe et l'insulter si elle fait des trucs bizarres. Mais comment ça, mais je coupe le stream, je coupe le stream. Allez, bonne soirée les gens et merci beaucoup. Salut.